Donc là, je commence la diffusion dans 10 secondes.
Bonjour à tous. Voilà, je pense qu'on est en direct. Alors, je suis très ravie d'organiser ce webinaire et je remercie le professeur Bakhali de m'avoir donné l'occasion de l'organiser et de co-modérer avec le professeur Boulanoir, que je remercie d'ailleurs. Je vais présenter nos orateurs qui nous viennent de la France. On a le docteur Tahiri Rachid, un grand ami qui nous vient de Granville. Docteur Bonnel, Sébastien Bonnel, qui nous vient des 15-20. Et le docteur Sandali Othman de Bourges. Et le docteur Mathé Stréo, qui nous vient de Paris, de Explore Vision. Je vais céder la parole au professeur Boulanois pour introduire ce thème qui intéresse tout le monde et qui est très très cher. C'est un sujet d'actualité et c'est un sujet qui est très cher pour tout le monde. Voilà, donc à vous, professeur Boulanois. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir tout le monde. Heureux et honoré d'être parmi ce panel important pour co-modérer avec mon ami Dr Larabi ce thème qui est la rétinopathie diabétique en 2020. Dans le titre, on a rétinopathie et diabétique. Un petit mot sur le diabète. Tout d'abord, ce fléau, si on compare les chiffres et en fonction des données de l'IDF, la Fédération internationale du diabète, on constate que en 2000, le nombre de diabétiques dans le monde était de 151 millions et qui est passé à 463 millions dans le monde. Ça veut dire que c'est un chiffre qui s'est multiplié par 3 et c'est une évolution qui est galopante. La répartition dans le monde est en projection de 2019, 2030 et 2045. On constate par exemple qu'en Amérique du Nord, il sera une augmentation de 33%,
En Europe, 17%. Et ce qui intéresse notre pays, qui fait partie du MENA, son augmentation sera de 96%. Sachant qu'en Afrique, il y aura des pays où l'augmentation sera de 143%. En ce qui concerne la dernière étude récente au Maroc, qui s'est faite en avril 2019, la prévalence du diabète est passée de 6,4% en 2000 à 10,6%, ce qui est une augmentation qui est importante. Et si, pardon, le même billet, la prévalence du prédiabète, il est dans les mêmes proportions. Autrement dit, si on regroupe les deux, l'état diabétique et l'état prédiabétique, on constate que 21% des Marocains sont soit un diabétique, soit un prédiabétique. Ça veut dire qu'un Marocain sur cinq, soit il porte un diabète, soit qu'il est en état de prédiabète. En ce qui concerne la rétinopathie diabétique, c'est une maladie vasculaire générale. Et la distinction entre microangiopathie et macroangiopathie est devenue virtuelle. C'est la première cause de cécité chez les patients de moins de 50 ans. Il est responsable de 10% de malvoyance chez les diabétiques et de 2% de cécité parmi ces diabétiques. Ça veut dire que sur une population marocaine de 35 millions, on a 70 000 aveugles par la rétinopathie diabétique. Les conséquences de cette malvoyance et de cécité, c'est 3 fois de perte de travail. C'est 3 fois de plus d'accidents de la voie publique et d'accidents de travail. C'est 2 fois de chute, de traumatisme et de 3 fois plus de problèmes mentaux, en particulier la dépression. C'est dire les conséquences fâcheuses de cette rétinopathie diabétique causée par le diabète. Maladie vasculaire générale, qui dit rétinopathie diabétique, dit en particulier la néphropathie et la neuropathie sont en route, ce qui va alourdir davantage le pronostic de ces diabétiques. Et je passe tout de suite la parole à mon ami l'Arabi qui va nous parler de l'apport de l'OCTA dans le diabète. À vous la parole. Pour quitter. Très bien. Voilà. Alors, je vais faire partage d'écran et on y est dans 2 secondes. Voilà. Moi, je vais vous parler de l'apport de l'OCT dans le diabète, qui est un examen d'actualité. Et je vais essayer de vous familiariser avec cet examen dans la rétinopathie diabétique. Donc, je vous propose un petit plan pour suivre la présentation. Donc, on va parler des techniques et de la sémiologie, de l'apport de l'OCTA dans le diabète, la maculopathie diabétique ischémique et œdémateuse, la rétinopathie diabétique périphérique et les nouveautés au NOS-OCTA avec les limites, bien sûr, de cette technique. Et les recommandations en conclusion. La possibilité de la visualisation de la circulation rétinienne sans l'injection de produits de contraste était un rêve pour les rétinologues, les ophtalmologues hier. Et ce rêve s'est réalisé avec l'arrivée de l'OCTA en 2014. Alors, qu'est-ce que c'est l'OCTA angiographie? Donc, c'est, comme on peut voir sur le schéma ici, l'acquisition. C'est une technique couplée au spectral domaine OCT ou swept source OCT récemment, qui consiste à une acquisition très rapide de B-scan séquentiel. Et la mesure de décorrélation du signal de ces B-scan permet d'obtenir un contraste entre les éléments mobiles et statiques. Alors, c'est quoi l'élément mobile qui dans la rétine? Bien sûr, c'est les globules rouges. Donc, la visualisation du flux sanguin se traduit par un hypersignal d'intensité variable et qui dit nouvelle technique, dit nouveau langage, c'est-à-dire on parle d'hypo-hypersignal, hyper-hyporéflectivité. Donc, ça nécessite une petite courbe d'apprentissage. Alors, l'OCTA nous a permis
de voir autrement la vascularisation rétinienne, qui a été d'ailleurs décrite il y a 40 ans par Chimusi et reprise par le professeur Pack en 2003 et par l'équipe de la Riboisière en 2016, par une jolie modélisation de cette carte de vascularisation rétinienne, qu'on voit une corrélation entre les clichés de l'OCTA et la vascularisation rétinienne. Donc, sur le plan superficiel, on voit des vénules et des artérioles horizontales avec des connexions anastomotiques de capillaires en hamac qu'on peut voir ici sur le schéma des vaisseaux. Et sur le plan plexus profond, on voit une disposition radiaire centrée par un vortex. Donc, c'est une véritable cartographie en trois dimensions de la vascularisation que l'OCTA nous permet de voir et sans injection de colorant avec en quelques secondes, sachant que c'est un examen qu'on peut déléguer. Alors, c'est quoi la place de l'OCTA? Est-ce que c'est toujours un outil de recherche ou bien c'est un examen qui a sa place dans notre pratique? Surtout qu'on a un panel d'examens de nos jours, soit dans les centres, soit dans les cabinets, les hôpitaux, et qui nous donne de magnifiques clichés sur la vascularisation rétinienne. Je vais essayer de vous montrer que l'OCTA permet le suivi quantitatif et qualitatif des zones de non-perfusion maculaire et périphérique, de la zone avasculaire centrale, de la surface des néovaisseaux, le suivi aussi de la rétinopathie diabétique sous traitement. Donc, les signes habituels dans la rétinopathie diabétique sont également analysables, on est sur l'OCTA. On va voir d'abord les maculopathies ischémiques. Donc, tout le monde sait que la première lésion de la microangiopathie de diabète, c'est le microanévrisme qu'on voit sur l'angiographie à la fluorescéine et qu'on voit sur l'OCTA sous forme d'un signal de décorrélation arrondie, souvent au bord d'une zone de non-perfusion. Ils sont plus profonds dans le plexus, plus fréquents dans le plexus profond. Et le nombre de microanévrismes dans le plexus profond associé à des zones d'ischémie peut prédire la réponse anatomique du patient aux anti-VEGF. Les AMIR et nos vaisseaux, par contre, ils sont facilement visibles parce qu'ils circulent très, très vite. Et les zones d'ischémie sont bien visibles avec une résolution magnifique sur les OCTA comparativement à l'angiographie, à la fluorescéine. On peut être gêné par la diffusion vasculaire pour délimiter les zones d'ischémie et pouvoir les suivre. On peut également suivre la progression de la maculopathie ischémique, justement, avec la progression du diabète. On voit apparaître des boucles et dilatation capillaire, comme on peut voir ici sur ce schéma, et avec une perte progressive de la continuité des bords capillaires et un élargissement de la zone avasculaire, et avec une raréfaction carrément du réseau capillaire et une confluence entre les zones d'ischémie dans une rétinopathie diabétique très sévère. Il faut savoir qu'en OCTA, on peut mesurer l'évolution du diamètre de la zone avasculaire avec l'aide d'algorithmes de détection automatique. Donc, ça nous permet de suivre d'une façon objective cette zone avasculaire. L'OCTA nous permet d'avoir aussi une valeur objective de la densité vasculaire maculaire. Elle se base sur différentes méthodes de binarisation très complexes. Et la densité vasculaire est calculée sur la numérisation d'images binarisées. Et cette densité, il a été démontré qu'elle est corrélée à la sévérité de la rétinopathie diabétique, comme on peut voir ici. Et sur les clichés, on a un code couleur qui nous facilite quand même le suivi du patient de cette densité vasculaire. Il y a un papier récent qui a fait une étude intéressante. Ils ont cherché la corrélation entre les paramètres trouvés en OCTA et l'acuité visuelle chez le diabétique. Donc, comparer 20 patients diabétiques avec une rétinopathie diabétique non proliférante et 20 avec une rétinopathie diabétique proliférante et avec des sujets sains. Donc, il y a une corrélation négative significative entre la densité vasculaire et la meilleure acuité visuelle, que ce soit dans le plexus profond ou le plexus superficiel. Et la densité diminue avec la progression du diabète.
Ils ont montré aussi qu'il y a une corrélation positive significative entre la taille de la zone avasculaire et la meilleure acuité visuelle. Donc, on peut considérer l'OCT comme un très bon facteur prédictif de l'acuité visuelle dans la progression de la rétinopathie diabétique. Certes, c'est un sujet de controverse actuelle qui nécessite de grandes séries avec l'analyse des mêmes paramètres, avec les mêmes méthodes de mesure qui posent problème actuellement. Alors, on ne peut pas parler de maculopathie sans parler de l'œdème maculaire cystoïde. Donc, en OCTA, on voit des logettes arrondies ou ovalaires, sombres, ils sont avasculaires, sans signal, et souvent à proximité des zones de non-perfusion. Ils sont plus importantes dans le plexus profond aussi, et on peut les différencier des zones avasculaires, des zones d'ischémie facilement sur l'OCT en face, hein, parce qu'ils sont superposables à l'image de l'OCT en face. Il y a l'équipe de la RIB qui avait fait une étude très intéressante publiée sur Retina. Ils ont étudié la relation entre la localisation de ces logettes et les zones d'ischémie avec l'évolution après traitement. Donc justement, leur étude confirme que ces logettes sont localisées dans les zones de non-perfusion, dans 70% dans le plexus superficiel versus 96% dans le plexus profond, avec une désorganisation très marquée et avec un effacement de l'acité vortex qu'on a vu avant, qui confirme quand même la relation physiopathologique entre l'ischémie maculaire et l'œdème maculaire. Après traitement, il y a une absence de reperfusion capillaire sur les zones d'anciennes logettes, comme on peut voir ici. Donc, les logettes ont disparu, mais on trouve quand même les zones de non-perfusion. Parfois, on peut trouver des vaisseaux sur le plan profond, sauf que ce n'est pas de la vraie revascularisation, mais c'est un artefact des vaisseaux du plexus superficiel qu'on peut voir lorsque la rétine devient très mince avec le traitement anti-VEGF. Alors, on va passer à la rétinopathie diabétique périphérique. Grâce à la technique swept source en OCTA, on peut maintenant avoir... on peut étudier quand même un large champ des rétines, surtout avec la reconstitution en mosaïque qui permet d'obtenir les clichés proches de ceux obtenus en angiographie à la fluorescine. Comme on peut voir ici, à peine on devine ce néovaisseau sur la rétinophoto. On le voit très bien en angiographie, mais on ne voit pas les limites, sont gênées par la diffusion. Et là, en OCTA, on arrive à bien suivre les limites et les anastomoses du néovaisseau, donc avec une meilleure résolution. Bien sûr, ce cliché est magnifique. C'est clair que c'est chronophage, ça prend du temps pour monter des clichés comme ça, mais ça vaut la peine parce qu'on arrive à voir, on a une visibilité avec une résolution magnifique des néovaisseaux, des zones d'ischémie sur toute la rétine avec le pôle postérieur. Il a été démontré que ce type de clichés, justement, ils ont une sensibilité comparable à celle de l'angiographie à la fluorescine ultra grand champ effectuée sur le California Doptos. On peut également suivre les zones d'ischémie en OCTA. Ici, sur ce rétinophoto, on arrive à voir les hémorragies, les exsudats et les amyres avant le traitement. Et après le traitement, on a l'impression qu'il n'y a plus d'hémorragie. Et en angiographie, on a l'impression que c'est revascularisé. Mais l'OCTA confirme l'absence de la reperfusion après un traitement anti-VEGF. Donc, il permet de ne pas sous-estimer la sévérité de l'ischémie rétinienne et bien suivre et traiter nos patients. On peut également suivre parallèlement avec l'angiographie. On voit bien l'involution du néovaisseau après 3 mois après un traitement PPR. Là, c'est un papier qui attire ma attention parce qu'il est bien fait. On voit bien, c'est une équipe en fait qui a essayé de mesurer la surface du néovaisseau papillaire par un logiciel qui modélise un peu le néovaisseau en blanc sur un fond noir. Et on voit très, très bien l'involution du néovaisseau avec la diminution de la surface à J9 post-IVT chez un homme de 50 ans avec une rétinopathie diabétique proliférante. Quoi de neuf en OCTA dans le diabète? Alors, plus récemment, grâce à l'OCT angiographie, des modifications précoces du lit capillaire, non visualisées par d'autres techniques d'imagerie, ont été décrites grâce à l'analyse confocale des différents plans vasculaires. Donc, il y a un papier récent qui est sorti sur Eye et qui a étudié 27 yeux sur 20 patients qui ont un diabète type 1 ou 2 sans rétinopathie diabétique sur le fond d'œil. Ils ont comparé
le fond d'œil avec les données de l'OCTA par le même rétinologue, bien sûr. Donc, ils ont trouvé des micro-anévrismes avec ischémie maculaire chez 15 patients quand même en OCTA avec un fond d'œil normal et une différence significative de la densité vasculaire entre les deux groupes. Et ça souligne l'intérêt de l'OCTA, dans le diagnostic précoce de la rétinopathie diabétique infraclinique. Aussi, en pédiatrie, ça a été démontré que il y a une diminution significative de la densité vasculaire dans le plexus superficiel et profond, avec une présence de micro-anévrisme au niveau du plexus profond chez des enfants diabétiques et non diabétiques comparés. Aussi, la papille, on peut l'examiner à l'OCTA dans le diabète. On peut mesurer la densité vasculaire et la densité de perfusion papillaire qui est quand même diminuée d'une façon significative avec la progression du diabète. Donc, l'intérêt de l'OCTA papillaire aussi dans le diabète précoce de la rétinopathie diabétique. Comme chaque technique, l'OCTA a ses limites. Donc, il y a la faible intensité du signal détecté. Quand il y a des troubles de milieu, ou bien un patient qui bouge, ou bien un patient peu coopérant, on peut avoir des images de mauvaise qualité, comme le cas ici, peu ou pas interprétables. On peut avoir aussi des artefacts de projection avec des réactions, avec des créations d'images ou d'anomalies. Il y a sur certaines machines des nouveaux algorithmes d'extraction d'artefacts, comme ce qu'on peut voir ici sur les deux schémas. La dernière limite, c'est vraiment l'OCTA ne permet pas quand même d'étudier la barrière hématorétinienne comme l'angiographie à la fluorescine. Et donc, c'est les phénomènes de diffusion. Et donc, ça nous limite si on veut faire un traitement laser focal. Alors, pour finir, je voulais proposer quelques recommandations après ce qu'on vient de voir. Donc, pour moi, l'OCTA, c'est un examen qu'il faut faire en systématique sur le temps de l'OCTB. Ça permet un apprentissage de l'interprétation et un moyen de suivi de nos patients. C'est une valeur ajoutée dans l'arsenal thérapeutique et diagnostique classique, qui est l'angiographie, fluorescine, l'OCTB et la rétinophoto. L'intérêt qualitatif et quantitatif dans le diagnostic et le suivi de la rétinopathie diabétique a été démontré. Et sachant que l'OCTA a une sensibilité spécifique dans le diagnostic précoce infraclinique de la rétinopathie diabétique, il peut être aussi un facteur prédictif du pronostic du diabète et très prometteur dans l'avenir. Alors, pour parler de l'OCTA dans le futur et enchaîner sur les orateurs, voici une diapositive qui associe un petit peu ce qu'on a. On a déjà l'OCTA dans notre pratique, on a l'ultra-grand-champ, l'analyse d'ultra-grand-champ et l'intelligence artificielle qui est déjà là, présente avec nous. Et si on associe les trois moyens, on peut avoir une nouvelle classification de la rétinopathie diabétique basé sur la visualisation directe des modifications microvasculaires associées bien sûr à l'ancienne classification, pouvoir bien diagnostiquer et traiter et suivre nos patients. Merci pour votre attention. Je cède la parole au professeur Boulanoir. Merci, Dr Larawi, de cet exposé qui est clair sur l'OCTA, examen non invasif. Certainement, il a pris de la place dans l'exploration de la rétinopathie diabétique et en particulier la mucopathie. Certainement, il aura un mot à dire pour changer les anciennes classifications, ce qu'on connaît actuellement sur le diabète. Et sans tarder, je passerai tout de suite la parole au Dr Manestero, qui va nous parler de l'imagerie ultra grand champ et le diabète. À vous la parole. Alors, un grand merci, ravi d'être avec vous. Merci pour l'invitation, bravo pour la présentation et l'organisation. Je ne parlerai pas de la partie intelligence artificielle que mon ami Rachid Tahiri va aborder. Mon sujet à moi, c'est l'innovation, donc rétinopathie diabétique en 2020,
qu'est-ce qu'on peut dire sur les rétinophotos? Vous savez qu'on a un arsenal diagnostique qui est basé sur les rétinophotos, l'OCT et l'OCTA, comme on vient de vous le présenter. Et donc, les rétinophotos ont connu une véritable révolution récemment. Et donc, je vais vous parler de l'imagerie ultra grand champ dans le diabète. Et donc, dès à présent, vous avez compris une chose, hein, si vous voulez faire du diabète en 2020, il va falloir investir beaucoup. OCT, OCTA, intelligence artificielle et ma partie rétino, prendre une imagerie ultra grand champ parce que vous allez voir, le résultat est extraordinaire. Les messages que je voudrais faire passer donc, pour l'imagerie ultra grand champ, c'est quand on parle de sémiologie ultra grand champ, on parle de rétinophoto qui permet d'obtenir en un cliché plus de 110 degrés au niveau de la rétine. Et donc, par rapport aux imageries classiques, vous voyez l'intérêt, c'est qu'en un seul cliché, vous avez la quasi-totalité de la rétine. L'intérêt, c'est quoi? C'est de pouvoir visualiser la rétine périphérique. Et donc, on va pouvoir grader, classifier, mettre le patient dans un stade de rétinopathie diabétique avec une précision plus importante. Alors, bien évidemment, l'idée, ce n'est pas de vous dire qu'il y a une technique qui est infaillible. Il y a des artefacts, bien sûr. Dans toute technique, il y a des limites. Et donc aujourd'hui, si on veut conclure sur l'imagerie ultra grand champ, c'est une imagerie qui est très très utile. Quand on l'a, on l'adopte, on a du mal à s'en passer, mais ce n'est pas indispensable parce que vous pouvez toujours continuer à faire des rétinos classiques avec plusieurs champs. Et donc l'adage qui pourrait conclure ça, c'est qui peut le plus, sera content. Donc un petit mot sur la classification de la rétinopathie diabétique. À ce stade-là, tout ce que vous connaissez reste vrai. Pour classer la rétinopathie diabétique, là je me suis permis de vous rappeler la classification qui est disponible sur le site SFO, est un rappel donc, des classifications des rétinopathies diabétiques. Et donc les signes rétinographiques que vous allez rechercher pour grader votre rétinopathie diabétique sont les mêmes. Et qu'on regarde des rétinos classiques, grand champ ou ultra grand champ, et bien vous allez toujours continuer à chercher des micro-hémorragies, des micro-anévrismes, des nodules cotonneux, des exudats, des amyres, des anomalies de la microcirculation, des tortuosités vasculaires, les veines monoliformes, venous bleeding, et des nouveaux vaisseaux dans des stades un peu plus avancés. Donc les signes restent les mêmes. Pour parler d'imagerie grand champ, ultra grand champ, on a un papier récent qui date donc de l'année dernière et qui permet de déterminer la définition. Et donc, vous voyez sur l'image, c'est une conférence de consensus et donc il y a tout un panel de spécialistes de l'imagerie qui s'est réuni et donc ils ont essayé de déterminer ce que c'était qu'une imagerie classique. Et l'imagerie rétino-classique, c'est 50 degrés, c'est l'image du pôle postérieur, c'est nos rétinographes classiques qu'on connaît qui permettent de faire un cliché autour de 50 à 60 degrés. Ensuite, ce qu'on appelle une imagerie grand champ, c'est le pôle postérieur qui dépasse l'arcade, mais qui va s'arrêter au niveau des veines vortiqueuses. Donc, vous voyez sur cette image-là, c'est l'image qui est le grand champ. Et donc là, on est entre 60 et 100 degrés. Et le top du top, si vous voulez faire de l'imagerie ultra grand champ, vous allez pouvoir, avec un cliché, visualiser tout ce qui est au niveau du pôle postérieur, au-delà des arcades, et même aller chercher la rétine ultra-périphérique au-delà des veines vortiqueuses, plus de 110 degrés. Donc aujourd'hui, si vous devez parler d'imagerie ultra grand champ, c'est un cliché qui permet d'avoir une visualisation au-delà des veines vortiqueuses, dans les quatre cadrans. Alors, on monte toujours des belles images, on monte toujours des qualités exceptionnelles, mais je voulais vous rassurer et vous dire que la rétinopathie diabétique dans notre pratique de tous les jours, c'est des personnes parfois âgées, avec des cataractes, comme ça vient d'être rappelé juste avant, et donc des personnes qui ne dilatent pas, qui ont des troubles des milieux transparents. Et donc, on a d'abord, la première étape, c'est d'essayer de voir la qualité des clichés. Et vous ne pouvez interpréter, d'ailleurs, l'IA n'interprétera que si la qualité est suffisante, et vous ne pourrez interpréter que si la qualité est suffisante. Donc, la première étape, c'est de regarder les clichés. Vous avez le cliché parfait en haut à gauche, où tout est visualisé, on a une bonne résolution. Et ce que je vous incite, c'est regarder si vous voyez tout au niveau de l'écran, est-ce que les vaisseaux sont bien définis et est-ce que vous avez une visualisation de toute la partie rétinienne.
Vous allez voir que plus on va avancer donc, dans la qualité moyenne mais interprétable, plus on va perdre en information et donc on va avoir une partie de l'image qui sera floutée et on va avoir une partie de la rétine qui sera peu ou pas visualisée. Retenez que votre qualité, même si elle est moyenne, elle reste interprétable si vous avez plus de 2/3 de la rétine qui est visualisée et si on peut distinguer encore un petit peu les vaisseaux. Là où ça devient compliqué, c'est quand vous avez une opacité qui va vous gêner sur plus des 2/3 de l'image et surtout sur des zones d'intérêt, ici comme au niveau centromaculaire ou encore plus de manière diffuse. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Eh bien, c'est là où l'imagerie ultra grand champ prend tout son intérêt parce que, comme je vais vous le montrer, c'est basé sur une imagerie SLO et donc on n'a pas besoin de dilatation et ça traverse les milieux transparents. Donc, des fois, on a des vrais patients qui ne dilatent pas, qui ont une cataracte, et on peut voir, obtenir une image de qualité. Et donc, d'ailleurs, quand vous l'utilisez de manière automatisée, il est presque recommandé de ne pas dilater les patients. Alors, plusieurs techniques qui se sont enchaînées donc depuis les années 80 avec la technique contact pour l'imagerie grand champ. Et aujourd'hui, la référence, c'est les imageries non contact grand champ. Et donc, on a ces techniques qui sont venues se comparer et qui sont aujourd'hui acceptées par rapport à la référence qui est le standard ETDRS avec les 7 champs composés de 50 degrés pour obtenir une visualisation de 75 degrés. Ça, c'est une image classique que vous connaissez, mais voilà ce qu'on voit en imagerie ultra grand champ. Et donc, c'est assez bluffant parce qu'on a une nouvelle visualisation, c'est un petit peu déstabilisant, et certains vont dire, mais oh, on voit les cils. Ah oui, mais d'accord, si on voit les cils, c'est parce qu'on est sur plus de 200 degrés, et si on visualise aussi bien les cils, c'est parce qu'en fait, on est sur l'extrême périphérie. Donc, ce que je vous conseille, bah, ce n'est pas de regarder les cils, mais de regarder ce qu'il y a entre et le pôle postérieur des cils. Et donc, vous voyez chez ce patient-là une visualisation de quasi-totalité de la périphérie. Ce qui est intéressant, c'est que cette technique d'imagerie a été adoptée depuis très longtemps par les chirurgiens vitréo-rétiniens. Sébastien pourra peut-être en parler tout à l'heure, mais en tout cas, quand on discute avec les chirurgiens vitréo-rétiniens, ça fait depuis bien longtemps qu'ils disent « Ah oui, mais moi je l'ai parce qu'en pré-op, post-op, ça m'aide, les patients ne sont pas dilatés, ça passe dans tous les milieux. » Mais nous, on a découvert ça un tout petit peu pour les autres pathologies médicales rétiniennes et notamment la rétinopathie diabétique. D'autres sont arrivés plus récemment, le Mirante de Nidec, c'est un appareil combo OCT, OCTA angio-rétino, avec une capacité en un cliché de faire 160 degrés, on est sur du grand champ, et de faire des montages, comme vous pouvez voir, où on peut aller encore plus loin avec plusieurs clichés. Autre venue sur le secteur, Zeiss, avec le Clarus, qui permet d'avoir des images de qualité bluffante, avec des couleurs qui reflètent vraiment les vraies couleurs des rétinaux. Et donc, on peut voir en un cliché 133 degrés et on peut associer avec des montages pour aller associer en champ nasal, comme vous le savez, primordial dans la rétinopathie diabétique, parce que s'il y a un champ à regarder, ça sera bien évidemment en nasal. Le Spectralis a adopté un objectif qui permet d'ouvrir et donc de pouvoir faire de l'angiographie, de l'autofluorescence. Ils n'ont pas de rétinophoto à proprement parler, ils ont un mode qui est le multicolore, qui est un petit peu débattu et qu'il ne faut pas associer stricto sensu à un rétinographe classique. Voilà un petit peu en image donc le champ, le panel, s'il y a des questions à votre disposition, mais qui permet aujourd'hui d'utiliser tout ça. En comparaison, ça c'est un travail qui a été fait à l'hôpital Lariboisière, et donc on voit que l'imagerie grand champ permet d'aller voir la périphérie, de comprendre les mécanismes chez des personnes avec des rétinopathies diabétiques, on voyait la quantité de microanévrismes, de voir les anomalies périphériques, et ma préférence ici est clairement sur l'optos qu'on utilise de manière pratique et courante parce qu'elle est assez facile, rapide, délégable avec un système de visualisation très intéressante. Je tiens à dire que les rétinaux, en général, on les interprète sur un cliché fixe. Eh bien, l'optos va s'analyser comme un OCT, sur un viewer. Et donc, il ne faudra pas regarder juste un cliché, mais il faudra avoir le viewer sur votre ordinateur et traiter l'image, zoomer, grandir, rajouter des filtres pour obtenir en fait toute l'information.
Donc ça, c'est le système de l'imagerie ultra grand champ basé sur le SLO. Et quand vous avez compris ce système-là, on n'est pas sur une caméra, on n'est pas sur un objectif photo, vous comprenez qu'on n'a pas besoin de dilatation pupillaire. Et surtout, on comprend que, comme le swap source, ça va pénétrer mieux dans les troubles des milieux transparents. Un petit hommage au professeur Gaudry qui, dès 2016, à Rétine en pratique, avait projeté cette diapositive et il nous avait dit « l'imagerie ultra grand champ va modifier notre pratique et va permettre de visualiser la périphérie rétinienne ». Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, quand vous faites de l'angiographie, vous allez commencer par un cliché du pôle postérieur et même si vous êtes très rapide, le temps de faire les 9 champs pour faire de la périphérie rétinienne, vous avez commencé, imaginons, à 30 secondes, ben, quand vous avez terminé, vous êtes à 3 minutes 50, ce n'est plus le même temps de perfusion, pour peu que vous changiez de côté, donc ce n'est pas le même temps. Eh bien, ce que vous avez en imagerie, en angiographie ultra grand champ, c'est que vous avez le même temps de perfusion dans toute la périphérie. Donc, pour voir des ischémies rétiniennes, c'est beaucoup plus pertinent que de se demander est-ce que c'est parce qu'il n'y a plus de colorant, parce qu'on est un peu trop tardif, on a tardé pour faire la périphérie des 2 champs. C'est un examen beaucoup plus rapide aussi, parce que vous allez faire 3-4 clichés et l'examen est terminé. Alors, en exemple, voilà ce qu'on peut voir sur du laser périphérique. Ce que je trouve intéressant, c'est de pouvoir vérifier aussi, quand vous passez ce même patient en angiographie, vous voyez cette zone d'ischémie périphérique traitée par du laser. Donc, on va utiliser l'imagerie ultra grand champ pour le dépistage, pour la classification et pour le suivi thérapeutique. On va pouvoir voir ici un patient avec une rétinopathie diabétique, on voit l'atteinte du pôle postérieur, mais surtout on voit la périphérie. Vous voyez l'ischémie rétinienne périphérique qu'on n'aurait peut-être pas ou peu vue en angiographie classique. Certains pourraient me dire oui, mais on a du mal parce que comme l'image est dézoomée, on voit moins bien le pôle postérieur. C'est bien là où il faut avoir le viewer parce que si vous zoomez sur votre pôle postérieur, vous allez avoir la même image à 50 degrés que vous avez l'habitude de voir. Donc, en quelques mots, les avantages, un seul cliché 200 degrés. On a une séquence angiographique qui est la même partout au niveau de la périphérie. On visualise donc la grande périphérie, bonne pénétration, pas de dilatation, haute résolution. Si vous voulez zoomer, vous ne perdez pas en résolution et vous pouvez faire couleur, autofluo, angio, ICG. Au niveau des publications, l'objectif n'est pas de vous montrer tout ce qui a été publié sur le sujet parce qu'il y en a beaucoup, mais de montrer quelques intérêts. Ici, un papier de Patel qui montre que dans l'imagerie ultra grand champ angiographique, on peut avoir un index ischémique, et c'est la zone que vous voyez entre la partie perfusée et la périphérie. Et donc, on va pouvoir mesurer un index ischémique, c'est-à-dire la zone non perfusée, qui va avoir un intérêt pronostique majeur pour le suivi de votre patient. Donc, cet index n'est possible que si vous faites une angiographie en ultra grand champ. Ensuite, il peut y avoir des corrélations. Il peut y avoir des corrélations entre l'ischémie rétinienne périphérique et centrale. Ça, c'est quelque chose qui intéresse l'imagerie ultra grand champ, mais également l'OCTA. Et donc, l'idée, c'est de se dire, est-ce que c'est corrélé? Parce que finalement, si on se dit que c'est corrélé, on n'a qu'à faire un OCTA. Et si vous avez une ischémie du pôle postérieur, c'est que vous avez une ischémie du reste et c'est plié. Vous n'avez pas besoin de faire d'imagerie ultra grand champ. Malheureusement, la relation est faible et vous savez très bien qu'il y a des patients qui ont une rétinopathie diabétique sans maculopathie et des patients qui ont une maculopathie sans rétinopathie, tout existe. Et un dernier petit papier au niveau donc, des rétinopathies diabétiques, des nouvelles classifications et de savoir, de rechercher s'il y a des facteurs de conversion en rétinopathie diabétique. Et donc, cette imagerie ultra grand champ réalisée donc, sur des rétinophoto-optos s'est intéressée sur la quantité de conversion en rétinopathie diabétique proliférante. Vous savez que les Américains, eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est est-ce que c'est proliférant parce qu'ils font la PPR. Avant, ils ne font rien. Donc, d'un point de vue médico-légal, ce qu'ils veulent savoir, c'est est-ce que ça va devenir une rétinopathie diabétique proliférante et quand. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait cette étude. Et je voulais insister sur 2 critères, c'est les surfaces d'hémorragie et leur distance par rapport au nerf optique. Donc, vous voyez qu'on n'est pas sur les mêmes critères qu'on utilise d'habitude, à savoir l'ischémie, à savoir les amyres, mais sur une quantité, une surface d'hémorragie et des distances par rapport au nerf optique. Une petite image d'une publication pour vous illustrer l'imagerie ultra grand champ où vous voyez donc le cliché d'optos associé à un OCT qui permet de voir la périphérie. Et donc,
ça illustre aussi le côté multimodal. Et aujourd'hui, quand on veut faire de la rétinopathie diabétique en 2020, l'idéal, c'est d'y associer, dans la mesure du possible, une imagerie grand champ en rétino et, si possible, en angiographie. Merci pour votre attention. Merci, docteur Stréau. C'était très, très clair. Merci pour la qualité des images. Je vais céder la parole au docteur Tahiri pour nous parler de l'intelligence artificielle et ses controverses. Et on répondra aux questions après sa présentation. Merci beaucoup, Zekilia. Merci pour l'invitation. Je remercie aussi la clinique de la vision de Rabat pour ces webinaires de grande qualité. Donc, moi, je vais parler d'intelligence artificielle. C'est un sujet d'actualité. Donc, je suis bêta-testeur chez Oftai, donc à titre non rémunéré. Et donc, aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, il faut savoir que celle-ci existe partout. On va la retrouver sur nos portables pour la reconnaissance vocale. On va la retrouver dans nos boîtes mail. C'est elle qui va trier nos courriers indésirables. En reconnaissance faciale, par exemple dans les aéroports, mais aussi sur des applications comme Facebook, comme Google, comme Amazon, dans le développement de voitures autonomes comme les Tesla, mais aussi toutes les autres voitures, les grands constructeurs qui s'y intéressent actuellement. Et puis dernièrement, elle a été utilisée pour modéliser des protéines en 3D du COVID-19. Elle a même été utilisée pour interpréter des scanners de patients atteints de pneumopathie à COVID-19. Et donc, quand on voit le nombre de publications sur l'intelligence artificielle, juste pour l'année 2019, il y a eu à peu près 11 000 publications. Donc, il y a une augmentation exponentielle d'année en année. Et donc, en médecine, nous avons des publications qui concernent toutes les spécialités de la tête aux pieds, par des équipes essentiellement chinoises, américaines et aussi en Europe. Alors, l'ophtalmologie n'échappe pas à cette règle. Donc, il y a trois grandes pathologies qui sont analysées par intelligence artificielle. Il y a d'une part la rétinopathie diabétique, le glaucome et la DMLA. Mais à côté de ça, toutes les autres pathologies, on retrouve aujourd'hui des études pour l'IA. Il y a la surface oculaire, la rétinopathie du prématuré, la chirurgie de la cataracte et la biométrie intelligente, ainsi que le kératocone. Alors, plusieurs datas peuvent être utilisées. Le trio de tête, c'est la rétinophoto, l'OCT et le champ visuel, mais on peut utiliser toute autre data, notamment des images de lampe à fente, d'enjeux OCT, de SLO, de topographie cornéenne ou toute autre data. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle ? En fait, c'est une notion qui ne date pas d'aujourd'hui. Hein. C'est quelque chose d'assez ancien qui a été avancé en 1950 par Turing et qui se définissait comme tous les systèmes qui imitent la pensée et l'intelligence humaine. Alors, dans le temps, ça ne s'est pas développé parce que tout simplement, les ordinateurs étaient très faibles. Et avec le développement de nouveaux ordinateurs de plus en plus puissants, il y a eu, dans un premier temps, une sous-catégorie qui est le « machine learning », qui utilisait entre autres aussi des données statistiques. Depuis quelques années, on entend parler de deep learning. En fait, ça se définit comme étant des systèmes qui vont faire des analyses via des réseaux neuronaux. Il y a une entrée d'informations, des couches de neurones. En fait, ce sont des petits calculateurs qui vont avoir une entrée d'informations et une sortie d'informations. Et au final, nous avons une sortie finale. C'est quelque chose qui s'inspire des neurosciences et du fonctionnement cérébral humain. Alors, quelque part, l'humain a un cerveau qui est fait de matière organique, alors que le deep learning se base sur une intelligence, sur du silicone et des circuits imprimés. Donc, voici un papier très intéressant qui est sorti il y a quelques mois sur Nature. Les auteurs se sont amusés à entraîner une intelligence artificielle à reconnaître des facteurs de risque cardiovasculaire à partir d'un cliché rétinophoto de 45 degrés. Et les résultats étaient très bluffants parce que, après une phase d'entraînement, l'intelligence artificielle était capable de reconnaître quel était l'âge du patient, le sexe du patient. Alors, je ne sais pas si ça sert à quelque chose, mais en tout cas, elle était capable de le reconnaître.
savoir si la personne était fumeuse ou pas, quelles étaient ses valeurs de tension artérielle et son IMC. Alors, moi, je trouve ça impressionnant parce que je ne connais aucun ophtalmologiste qui soit capable de dire, à partir d'un simple cliché de 45 degrés, c'est un homme de 51 ans, fumeur, avec tel chiffre de tension et tel poids. Donc, l'intelligence artificielle, elle, elle est capable de faire ça. Alors, pour le diabète, donc faut savoir, alors ça, c'est quelque chose qui a déjà été effectivement rappelé par professeur Boulanois, c'est une pandémie, il y a 400 millions de diabétiques aujourd'hui, 170 millions ont déjà une rétinopathie diabétique, il y a environ 2 millions d'examens qui sont réalisés chaque jour. Et donc, il est intéressant, il est important d'avoir une automatisation parce que d'une part, nous avons une augmentation du nombre de patients et d'autre part, un vieillissement de la démographie d'ophtalmologistes. D'ailleurs, par exemple, en France, le taux de dépistage annuel ne dépasse pas 50%. Alors, plusieurs solutions d'intelligence artificielle ont déjà été développées. La toute première solution qui avait été faite, c'était IDX. C'est une solution américaine qui a déjà le marquage CE et FDA. Et depuis, il y a eu plusieurs solutions qui ont été développées. La dernière, c'est OFTAI. Alors, OFTAI, c'est la solution française. Elle est née de la collaboration de deux boîtes, ATSIS et Evolucare. L'un est spécialiste du traitement d'image en ophtalmologie. L'autre est spécialiste des systèmes d'information de santé. Alors, OFTAI n'existe que depuis mai 2019, donc ça fait à peine un an. Alors, pour développer sa base de données, OFTAI s'est basé sur le réseau OFDIAT. Alors, qu'est-ce que c'est que OFDIAT? C'est un réseau de télémédecine qui avait été développé par l'APHP en 2004. Le principe, c'est qu'il y avait des centres demandeurs qui envoyaient des clichés vers la Riboisière et il y avait des analyses d'images. Et donc, depuis, il y a eu une base de données énorme qui s'est formée. Aujourd'hui, on a à peu près 760 000 images. Et c'est sur la base de cette base de données énorme que le logiciel d'OFTAI a été entraîné. Par exemple, en 2018, il y a eu 17 000 actes qui ont été réalisés sur 43 sites en Île-de-France. Et donc, OFTAI a été entraîné d'une part sur une partie d'OFDIAT, mais aussi sur la base de données de Kaggle. Et par la suite, il y a eu une base de test sur OFDIAT. Alors, en tant que centre bêta-testeur, nous, notre travail à Granville, comme tous les autres quatre centres bêta-testeurs d'intelligence artificielle en France, consiste à analyser le fonctionnement de cette solution, de voir comment ça se passe, est-ce qu'il y a des choses à améliorer, est-ce qu'il y a des faiblesses, est-ce qu'il y a des points forts. En fait, comment on peut l'intégrer dans le fonctionnement d'un cabinet qui tourne. Et donc, comment ça se passe? Donc, mon aide à la consultation ou mon interne vont prendre un cliché. Ce cliché va être envoyé sur le serveur d'OFTAI via la connexion Internet. Et puis, il y a un calcul qui est fait. Et par la suite, nous avons un retour d'information qui va être diffusé sur l'intranet du cabinet. Et moi, quand je reçois le patient, je le reçois d'une part avec la préconsultation, mais aussi avec les clichés et le prédiagnostic d'OFTAI. Voici quelques exemples. Donc là, on peut deviner un fond d'œil tout à fait normal. Et donc, nous avons le retour et nous avons pas de rétinopathie diabétique à 96%. Elle a un petit doute sur une rétinopathie diabétique non proliférante minime. Un autre exemple, ici, on voit qu'il y a quelques hémorragies, une petite hémorragie en tache, quelques petites hémorragies punctiformes. Donc ici, il s'agit bien d'une rétinopathie diabétique non proliférante modérée. Elle a un petit doute sur une rétinopathie diabétique très proliférante. Et puis, devant ce cas, nous avons ici une zone de fibrose avec une hémorragie rétroyaloïdienne. Donc, nous avons notre retour de diagnostic, rétinopathie diabétique proliférative. Donc, il y a aussi la possibilité de cartographier les pixels qui sont anormaux. Et donc, moi, je n'ai pas cette possibilité sur Granville, mais c'est tout à fait faisable. Alors, OFTAI permet aussi d'analyser le nerf optique. Donc, je vais passer rapidement sur ça. Donc, il peut analyser le nerf optique dans le cadre du glaucome. Donc, on n'a pas encore le marquage CE. Ici, l'intelligence artificielle nous dit qu'il n'y a pas de glaucome. Elle est certaine à 100%. Devant cette papille pathologique, elle va nous dire qu'il y a un glaucome. Elle est sûre à 100%. Alors, que vaut l'algorithme d'OFTAI? Il faut savoir que OFTAI est d'abord un algorithme qui est compatible avec tous les rétinographes, qu'ils soient fixes ou portables, qu'ils soient DICOM ou non, qu'ils soient récents ou anciens.
OFTAI est rapide. Il y a une analyse qui se fait en 3 secondes. Alors, c'est un peu plus que 3 secondes dans la vraie vie parce qu'il faut compter le temps de la connexion Internet pour l'envoi et la réception des images. OFTAI est sensible. On a 99% de sensibilité. Il ne laisse rien passer. Et il est spécifique avec une spécificité à 87%. Et quand on voit la surface sous la courbe ROC, elle est à peu près de 99%. Et cette performance, elle est encore plus importante dans les rétinopathies diabétiques sévères. Par exemple, ici, pour les rétinopathies diabétiques prolifératives, l'air sous la courbe est quasiment de 99,7%. Alors, si on compare OFTAI versus IDX, le concurrent américain, donc pour un même niveau de spécificité, OFTAI est plus sensible. Et pour un certain niveau de sensibilité, OFTAI est plus spécifique. En fait, OFTAI est plus sensible et spécifique que IDX. Alors, si on compare OFTAI versus l'expertise humaine, donc ici, il s'agit d'un nuage de cas qui ont été analysés. Et donc, à chaque fois qu'il y a un point, il y a un accord entre les experts humains et l'expertise d'intelligence artificielle, sauf pour les points qui sont entourés en vert. Ici, il y a une discordance. Et donc, quand on fait relire ces clichés par deux autres ophtalmologistes, c'est OFTAI qui l'emporte dans 95% des cas. Alors, quand on a une image de mauvaise qualité, donc c'est quelque chose qui a été soulevé par Mathé tout à l'heure, effectivement, l'intelligence artificielle est un peu perdue. Donc ici, elle va hésiter entre une rétinopathie diabétique modérée, sévère et proliférative. Alors, l'explication, c'est qu'on peut facilement tremper une intelligence artificielle. Il suffit, par exemple, dans cet exemple, juste de rajouter quelques pixels en plus et de retirer quelques pixels pour qu'elle confonde un panneau de stop avec une limitation de vitesse à 45 km/h. Ça peut être assez dramatique sur la route d'avoir ce genre de confusion. Si on joue aussi un peu sur les couleurs, la luminosité, elle peut confondre, elle peut ne pas reconnaître un panneau de stop. Et puis, si jamais on ne voit pas en face, effectivement, elle peut reconnaître un panneau de stop comme étant une raquette. Ceci dit, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle apprend de ses erreurs, elle s'améliore, et de toutes les façons, ce genre d'erreurs grotesques que l'on voit aujourd'hui, on ne les verra plus dans quelques années. Alors, au Centre d'ophtalmologie de Granville, on travaille avec un bon vieux rétinographe à 45 degrés associé à OFTAI, mais effectivement, le futur, c'est de pouvoir associer de l'imagerie ultra grand champ avec l'intelligence artificielle. Donc, nous sommes en train d'y travailler. Pourquoi ? Parce que tout simplement, comme ça a été déjà présenté par Mathé, on ne voit pas la même surface. Donc, entre le 45 degrés et l'ultra grand champ, nous avons beaucoup plus de détails. Et même en mettant les 7 clichés de TDRS, on est effectivement bien loin et on peut même passer à côté de certains détails, comme dans cet exemple. Alors, l'autre intérêt, c'est les filtres. Sur Optos, par exemple, on a la possibilité de mettre un filtre en vert. Et là, on peut mieux visualiser tout ce qui est en rouge, donc, c'est-à-dire les hémorragies. Et donc, ça serait intéressant, effectivement, d'intégrer de l'intelligence artificielle sur de l'imagerie multimodale avec des fichiers pairs. Alors, vous avez vu que la fiabilité était pratiquement de 99% avec de simples clichés à 45 degrés. Donc, vous imaginez que si on fait de l'ultra grand champ plus de la multimodalité avec des clichés verts, SLO, angio, OCT, ICG, etc., ben là, on aura pratiquement une fiabilité à 100%. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Google est en train de travailler sur de l'imagerie multimodale de l'œil partant du segment antérieur jusqu'au segment postérieur pour poser le diagnostic de 50 pathologies. Alors, aujourd'hui, ça n'a pas encore le marquage CE, ce n'est pas encore commercialisé, mais je pense que si Google est en train d'investir des dizaines de millions d'euros, c'est qu'il vise effectivement une entrée sur, entre parenthèses, le marché de la santé. Et demain, peut-être, on aura les cabinets d'ophtalmologistes humains, mais à côté de ça, des cabinets robotisés avec une intelligence artificielle qui va pouvoir poser des diagnostics. Bon, de toute façon, ça, c'est tout un débat. On en discutera tout à l'heure. Et sur smartphone, est-ce qu'il existe des solutions d'intelligence artificielle? Alors, il existe quelques gadgets qui n'ont pas de marquage CE ni FDA. Donc, j'en ai trouvé quelques-uns.
Cette application a une fiabilité totale de 73%. Elle a quand même été entraînée sur 16 000 cas. Il suffit juste de télécharger l'image et on a notre diagnostic de stade de rétinopathie diabétique. Mais effectivement, il n'y a aucune validation scientifique de ce contenu. Mais effectivement, on peut s'attendre à ce que dans quelques années, on ait de véritables applications sur smartphone. Pourquoi ? Parce qu'il existe d'autres gadgets qui permettent de transformer un portable en rétinophoto. Donc, pour quelques centaines d'euros, on va transformer notre iPhone en rétinophoto portable. Donc, vous imaginez l'intérêt d'utiliser une combinaison comme ça, par exemple, dans un pays sous-médicalisé, où un infirmier va pouvoir prendre des clichés et avoir le diagnostic et faire déjà un premier tri avant d'envoyer des patients vers l'ophtalmologiste et éliminer effectivement les patients qui n'ont pas de rétinopathie diabétique. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir ? L'intelligence artificielle aujourd'hui est en plein développement dans la rétinopathie diabétique comme dans toute la médecine. Nous avons aujourd'hui des algorithmes rapides, précis et fiables. Ils vont permettre d'une part d'optimiser le parcours des soins, de réorganiser le temps médical, de gagner du temps, d'améliorer la capacité de dépistage et puis surtout de démocratiser l'expertise et de travailler encore plus en télémédecine. Donc là, j'ai terminé la présentation concernant la rétinopathie diabétique parce qu'on ne peut pas parler de tout ça sans parler des implications éthiques et de la législation. Donc avant de pouvoir parler de ça, ça serait intéressant de montrer ce que pourrait faire une intelligence artificielle parce que toutes ces histoires ne font que commencer. Si on reprend la loi de Moore, donc la loi de Moore, c'est quoi ? Donc, c'est une loi qui avait été avancée par un informaticien en 1965. Il avait fait un modèle mathématique selon lequel il a calculé que les ordinateurs vont doubler de puissance tous les 18 mois. Et depuis 1965, nous avons pu vérifier l'exactitude de ce modèle. Et effectivement, tous les 18 mois, nous avions un ordinateur qui était deux fois plus fort et deux fois plus puissant que celui de la génération d'avant. Alors, qu'est-ce que ça a donné ? En 2015, nous avions déjà atteint des systèmes informatiques et des intelligences artificielles qui dépassaient le cerveau de souris. Au rythme actuel, en 2023, nous aurons des IA qui vont dépasser la complexité d'un cerveau humain en termes de raisonnement. Et à ce rythme-là, donc là, ça commence à devenir un peu inquiétant, en 2045, c'est-à-dire dans 25 ans, les intelligences artificielles vont dépasser toutes les intelligences de tous les cerveaux humains combinés. Et ça, c'est possible grâce au développement des ordinateurs quantiques. Donc, ce n'est pas de la science-fiction, c'est des projections qui sont tout à fait réalistes. Ce qui est encore plus, je dirais, inquiétant, c'est la notion de black box dans le fonctionnement du deep learning. Parce que dans le deep learning, il y a l'entrée d'informations et la sortie d'informations, mais entre les deux, il y a effectivement les différentes couches du réseau neuronal, mais comment elles vont interagir entre elles, on ne sait pas comment ça se passe jusqu'à ce qu'on ait notre sortie d'information. Et c'est là où on parle de cette notion de black box. Donc, en fait, on ne sait pas ce qui lui passe par la tête. Alors, si on voit ce qui est possible dans certaines spécialités, notamment, par exemple, en anapath, aujourd'hui, en anapath, il suffit juste… Alors, la technologie existe. Elle n'a pas encore le marquage CE et le marquage FDA et la commercialisation, mais la technologie existe. C'est-à-dire qu'il suffit juste de faire un prélèvement, de le mettre sous un microscope, d'aller prendre un petit café et par la suite, l'intelligence artificielle aura déjà scanné le volume en 3D, elle l'aura transformé en des milliers de coupes dans tous les sens, elle l'aura comparé à une base de données énorme et elle va pouvoir détecter le petit follicule cancéreux qui pourrait être indétectable par l'œil humain. Même chose en cardiologie, je passe rapidement, en cardiologie interventionnelle, en radiologie. Donc aujourd'hui, la radiologie, on parle même de robots radiologistes qui vont pouvoir apparaître dans quelques temps. On peut imaginer que dans quelques temps, si la législation le permettait, qu'on puisse se retrouver avec un radiologue humain et un cabinet de radiologie géré par une intelligence artificielle en fait, qui appartient à Google. Le patient rentre, il passe dans le tunnel du scanner, et il sort et il a son compte rendu de scanner qui est
tout aussi bon qu'un grand professeur en radiologie. Même chose en dermatologie. En fait, toutes les spécialités, aujourd'hui, n'échappent pas à l'IA, même les spécialités qui paraissent les plus subjectives, notamment la psychiatrie, où des IA, aujourd'hui, sont capables de poser un diagnostic de pathologie psychiatrique à partir d'un interrogatoire. Alors, pour la petite anecdote, dernièrement, une équipe de chercheurs avait alimenté une IA par une base d'articles scientifiques parus entre 2000 et 2008, et ils ont mis dans cette base d'IA 3 millions d'articles. Alors, cette IA a compris les 3 millions d'articles, elle a fait des interconnexions, elle les a lues, et elle a fait des interconnexions qui parfois peuvent être effectivement pas tout à fait logiques pour nous humains, et elle a tiré des conclusions qui faisaient partie de la science qui était connue en 2012. Qu'est-ce que ça veut dire? On a alimenté une IA avec des informations entre 2000 et 2008, elle a tiré des conclusions de science connues en 2012. Alors, c'est quelque chose de tout à fait passionnant parce qu'en se projetant, on peut penser que, et en utilisant le même modèle, on peut penser que dans quelques années, on pourra avoir des avancées sur de nouvelles molécules, sur de nouveaux médicaments, sur de nouveaux procédés, etc. Alors, la voie entre la recherche scientifique jusqu'à l'application commerciale est semée d'embûches, et les langues. Donc, on commence toujours par la recherche fondamentale, la recherche clinique, l'obtention des marquages, donc ça, c'est vraiment très difficile à obtenir, les bêta-tests, la commercialisation avant le déploiement à large échelle. Donc, aujourd'hui, l'intelligence artificielle se situe ici. On est entre la recherche clinique, les marquages, les bêta-tests. Dans quelques temps, dans quelques mois et quelques années, nous aurons des commercialisations qui vont commencer. Le plus important pour nous, en tant que médecins, c'est que ces commercialisations soient avant tout une aide et non pas qu'elles ne se substituent pas aux médecins. Alors, si on voit un peu ce que peut faire aussi l'intelligence artificielle, elle est capable de créativité. Sur ce site web, vous pouvez acheter des livres écrits entièrement par une intelligence artificielle. C'est l'intelligence artificielle qui a fait la préface, la première page, le petit dessin, toute l'histoire, les personnages, les rebondissements, le dénouement. Moi, je trouve ça tout à fait passionnant et fascinant. Et dernièrement, au Japon, une intelligence artificielle a même failli obtenir le premier prix. C'était des romans qui ont été lus par le comité de lecture de façon anonyme. Et ils ont attribué la troisième place à un roman écrit par une intelligence artificielle. Même chose pour la musique. Donc, c'est l'image, c'est une photo de Beethoven. Or, Beethoven n'avait pas pu terminer sa 10e symphonie. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle est en train de terminer le travail que Beethoven n'a pas pu faire avant sa mort. Même chose pour Bach. Dernièrement, Stromae a fait un duo avec une musique composée par une intelligence artificielle. Et puis, si je vous mets la photo des Beatles, c'est parce que même s'ils se sont séparés il y a plus de 50 ans, ben, ils ont sorti un dernier single qui a été en fait complètement fait par une intelligence artificielle. On a mis dans la mémoire d'intelligence artificielle tout le répertoire musical des Beatles et elle a compris le sens et l'essence des Beatles, et elle a composé, écrit et interprété un morceau que l'on peut d'ailleurs trouver sur YouTube. D'ailleurs, on va peut-être prendre une dizaine de secondes pour l'écouter et vous allez voir le résultat. Voilà, donc si vous vous amusez à chercher de la musique composée par l'intelligence artificielle, il en existe des dizaines. Il suffit juste de chercher. Là, on va partir sur des choses un peu plus inquiétantes parce qu'aujourd'hui, des hackers commencent à utiliser de l'IA pour mener des attaques sur Internet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour se prémunir contre ces attaques par des IA qui ont des forces de calcul monumentales, ben, les sites bancaires, Facebook, etc., ils vont se doter d'intelligence artificielle pour se défendre. Et on va devoir placer des IA sur des secteurs qui sont clés, comme le secteur bancaire, comme des données de santé,
comme des données personnelles, mais aussi sur du renseignement, de l'armement, de la défense, et même peut-être le bouton nucléaire. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, mais toutes ces personnes pensent que l'intelligence artificielle pourra, à l'horizon de 2040-2050, devenir hostile et consciente et pourrait même anéantir les humains. Alors, je fais un petit peu l'avocat du diable, mais en fait, tout ça, c'est juste pour se poser la question, est-ce qu'on va un jour se retrouver avec des scénarios de films de science-fiction ? Alors, la question, je n'en sais rien. Ce qui est certain, c'est qu'il va falloir pousser la réflexion, se renseigner, et puis il faut qu'il y ait une véritable réflexion et une nécessité de législation par rapport à ça. L'intelligence artificielle doit rester avant tout une aide, parce qu'autrement, il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître dans le nôtre. Et donc, il y a d'ailleurs plusieurs métiers qui sont apparus dernièrement, notamment experts en éthique et en intelligence artificielle. Alors, je vous invite à faire cette lecture parce que c'est vraiment très intéressant. Ça s'appelle « La guerre des intelligences ». Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Merci, Dr Tahiri, pour cette intéressante communication. Certes, il va apporter un plus dans la prise en charge des maladies dans la santé en général et en particulier en ophtalmo. Mais comme vous l'avez bien souligné, il faut que ce soit une aide et non pas l'être humain. Absolument. Donc, on va passer, on va prendre une petite pause pour répondre à certaines questions. Donc, 10 minutes de discussion. Et je commence par la première question. Au Maroc, qu'en est-il en termes de centre de chirurgie vitrée? Y a-t-il une différence dans la rétinopathie diabétique entre les données de l'ECTA et l'angiofluo? C'est une question adressée au docteur Larabi. Larabi? Oui, c'est bon. Alors, je tiens à remercier les orateurs qui m'ont suivi pour la qualité des présentations. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Et merci encore pour le Dr Tahiri qui nous a bien illuminé sur l'intelligence artificielle et ce qui nous attend dans l'avenir. Voilà, donc pour revenir aux questions, y a-t-il une différence entre la rétinopathie diabétique entre les données de l'OCTA et l'angiographie? Ben justement, je l'ai souligné dans ma présentation, l'OCTA, surtout avec l'arrivée de la technique source, nous permet d'avoir un large champ et nous renseigner sur les néovaisseaux et les zones d'ischémie avec une sensibilité comparable à l'angiographie fluorescéine. Et parfois supérieure avec une meilleure résolution, avoir des limites nettes de l'ischémie et pouvoir suivre les néovaisseaux aussi dans le suivi de la rétinopathie diabétique. Alors, je pense que la deuxième question aussi, elle est pour moi. Voilà, pourquoi non. Quel est l'apport de l'OCTA dans la prise en charge thérapeutique de la rétinopathie diabétique? Ben, l'OCTA, comme je l'ai montré sur la présentation, il y a des études qui sont justement intéressées à suivre les patients soit après des injections anti-VEGF ou pour suivre les zones d'ischémie, d'amélioration de l'ischémie, qui ont montré justement qu'il y a une absence de reperfusion. Et ça, c'est le seul examen qui nous permet de confirmer ça dans le suivi du traitement. Aussi, les néovaisseaux après une PPR, on peut les suivre aussi avec l'OCTA et surtout que c'est un examen qui est non-invasif et on peut le faire et le répéter au moment de l'OCTB d'une façon systématique. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à toutes les questions qui m'ont été adressées. Là, je vois que le docteur Strio, il a déjà répondu sur les questions. Oui, moi j'ai eu quelques questions, peut-être qu'on peut le dire comme ça. Voilà. Mes questions, moi j'ai répondu en direct, c'était est-ce qu'on utilise un blépharostat pour l'optose? Ma réponse est très clairement non.
c'est un peu traumatisant. Et si vous êtes gêné par les cils, vous zoomez sur l'image et vous ne verrez plus les cils. Sinon, il faut juste s'habituer et ne pas focaliser là-dessus. Néanmoins, si vous avez des patients qui sont sous prostaglandine et qui ont des cils qui se touchent entre le haut et le bas, vous pouvez mettre des stéristrips et là, par contre, vous êtes tranquille de manière exceptionnelle. Très bien. Alors, je passe aux autres questions concernant… J'ai une autre question pour Oftai, intelligence artificielle, l'arrhythmopathie diabétique. Il faut seulement un cliché du pôle postérieur, aucune analyse de la partie nasale. Merci. Alors, normalement, il en faut deux. Donc, il faut un cliché centré sur la macula plus un cliché centré sur la papille. Mais l'intelligence artificielle peut s'en sortir avec un seul cliché. Donc, elle peut donner un diagnostic à partir d'une seule image. Je pense qu'on a répondu à la question. Docteur Arabi, vous avez des questions? Je pense qu'on a fait le tour des questions. Là, on va enchaîner pour ne justement être resté dans les temps avec la présentation du docteur Sandali Othman au deuxième volet de ce webinaire. C'est le traitement de la rétinopathie diabétique en commençant par la maculopathie diabétique. À vous, docteur Sandali. Bonjour tout le monde, merci Zakia pour l'invitation et merci à tous les orateurs pour ces présentations qui sont de très bonne qualité. Moi je traiterai la prise en charge de l'œdème maculaire diabétique. Comme l'a souligné le professeur Beauenoir, le diabète est la première pandémie de maladies non contagieuses dans le monde. Les principaux facteurs de risque de l'œdème maculaire diabétique, c'est le diabète de type 1, la durée d'évolution du diabète, la sévérité de la rétinopathie diabétique périphérique et la présence d'une hypertension artérielle. Le contexte du patient diabétique est totalement différent. C'est une maladie polyvasculaire et le suivi régulier d'un patient diabétique sans complications majeures est de plusieurs dizaines de rendez-vous par an. Ce qui peut expliquer une compliance au traitement qui peut être diminuée, par exemple, si on la compare à la DMLA. D'où la nécessité de proposer un traitement adapté en fonction de l'état oculaire et de l'état général du patient. On va privilégier des molécules à demi-vie prolongée à des patients qui ont un problème de compliance et un problème de comorbidité. Et il faudra aussi savoir alléger les protocoles de traitement chez les patients qui ont des faibles chances de récupération. L'OCT est l'outil principal du suivi de l'œdème maculaire et de son diagnostic, qui permet non seulement la quantification de l'épaisseur maculaire, mais aussi il permet de nous fournir des facteurs de mauvais pronostic pour l'acuité visuelle, tels que l'altération de la rétine externe, la désorganisation des couches rétiniennes internes, la diminution du ratio tissu-liquide, la présence d'exudats rétro-alvéolaires, la présence de points hyper-réflectifs au niveau de la rétine, surtout s'ils sont localisés au niveau de la nucléaire externe, et bien sûr, il permet d'éliminer un syndrome de traction vitréo-maculaire. Sur cette coupe OCT, malgré l'absence d'un œdème maculaire majeur, le pronostic visuel est mauvais. Pourquoi ? Parce que, comme vous le distinguez, il y a une atteinte des photorécepteurs au niveau de la rétine externe et sur cette OCT qui représente l'œil Adelph du même patient. Malgré la présence d'un œdème maculaire majeur, le pronostic visuel est meilleur. L'enjeu OCT a été déjà bien expliqué par le docteur El Arabi. En première intention et pour tous les patients, il faudra en collaboration avec le médecin traitant de s'assurer du bon équilibre du diabète. Il faudra aussi chercher une hypertension artérielle qu'on va suspecter par la présence de nodules cotonneux, d'hémorragie enflammée autour proche de la papille. Il faudra aussi vérifier la fonction rénale, dépister un syndrome d'apnée du sommeil et aussi une dyslipidémie. Bien sûr, il ne faut pas oublier la périphérie.
on dispose d'un arsenal thérapeutique important que je vais traiter au fur et à mesure. On a les anti-VEGF, les corticostéroïdes, de nouvelles molécules en cours d'étude, le laser et puis la chirurgie. Avant de parler des études cliniques qui sont nombreuses, il faudra distinguer les essais cliniques qui ont mené à la commercialisation du produit, qui sont des études limitées par des critères d'inclusion et qui se caractérisent par des respects stricts du protocole. Un patient qui n'est pas concluant, ben, il est exclu du protocole. Et les études de vraie vie qui sont par contre qui peuvent être par contre confrontées à un problème de compliance au traitement, ils se font sur une population plus large avec un suivi thérapeutique plus long. On va commencer par le premier anti-VEGF, le ranibizumab. Ben, l'étude RESTORE avait montré un très bon résultat des anti-VEGF avec un gain de 7 lignes la première année. Le protocole recommandé pour le ranibizumab est de réaliser 3 injections mensuelles, puis après continuer les injections jusqu'à l'obtention d'un plateau d'amélioration anatomique et visuelle, ce qui nous emmène en général à 5 doses de charge. L'étude extension qui a été réalisée la deuxième et la troisième année est intéressante. Pourquoi ? Parce qu'elle montre que le nombre d'injections il diminue significativement après la deuxième année. Les patients ont besoin de 8 injections la première année, puis après, on a besoin de 3 injections et demie en moyenne la deuxième année, et puis de 2 injections la troisième année. Le traitement par anti-VEGF permet par la même occasion d'une régression de la rétinopathie diabétique périphérique dans 28% des cas. L'étude RETAIN montre qu'on obtient le même résultat en traitant le patient en PRN ou en treatment extend une fois que les doses de charge sont réalisées. Si on veut associer un traitement laser aux anti-VEGF, il est recommandé de le réaliser en différé. En étude de vraie vie, je citerai principalement l'étude Boréale qui a été faite sur 290 patients en France par 86 ophtalmologistes. Cette étude montre une bonne récupération visuelle à 8 lettres à 12 mois. Et les patients avaient besoin que de 5 IVT la première année, contrairement à 9 injections au niveau des études pivotales. Je passe à l'aflibercept, qui est le deuxième anti-VEGF sur le marché. Les études Vivid et Vivista ont aussi montré un bon résultat à 12 mois. L'aflibercept, on obtient le même résultat avec l'aflibercept qu'en injectant tous les 2 mois ou tous les mois, une fois les 5 doses de charge réalisées. Comme le ranibizumab, le nombre d'injections requis après la deuxième année, il diminue significativement et les patients sont injectés que 3 fois par an à partir de la deuxième année. En vraie vie, je citerai principalement l'étude Apollon qui montre de meilleurs résultats chez les patients naïfs. Les patients, dans cette étude, ils ont eu en moyenne 7 injections. Dans cette étude, seulement 42 patients ont bénéficié d'une dose de charge, ce qui souligne le problème de compliance qui peut se poser en vraie vie. Quelle molécule privilégiée parmi les deux anti-VEGF qu'on a vu, l'aflibercept et le ranibizumab? Ben, l'étude du DCR NET montre que seulement pour les patients qui ont une acuité visuelle basse initiale, il y avait un léger plus, une meilleure efficacité pour l'aflibercept. Mais dans la vraie vie, 10 à 30% des œdèmes maculaires sont résistants aux anti-VEGF, d'où l'intérêt de s'aider de critères de bons répondeurs aux anti-VEGF, qui sont la jeûne du patient, la bonne acuité visuelle initiale, l'œdème maculaire diabétique d'apparition récente, l'absence de rétinopathie diabétique proliférative, et en OCT, une épaisseur maculaire diminuée, une petite taille des logettes,
la présence d'un DSR, une épaisseur choroïdienne élevée, l'absence de désorganisation des couches rétiniennes et l'absence d'altération du plexus capillaire profond. Voilà, c'est une analyse rigoureuse de l'OCT. Il ne faut pas s'arrêter à voir l'épaisseur maculaire et peut-être l'intelligence artificielle dans les prochaines années va nous faciliter l'analyse. Mais ce n'est pas grave. Si jamais on se trompe du bon choix du produit à injecter, il faut surtout, au troisième mois, évaluer le résultat. En effet, l'étude EARLY a montré qu'après la troisième injection, si le patient n'est pas répondeur, il ne le sera pas par la suite. Pour résumer le traitement par anti-VEGF, il faudra traiter précocement et intensivement la première année. Après 5 doses de charge, on peut partir sur du PRN ou bien du treat and extend. Et il faut aussi informer le patient de l'allègement du protocole du traitement après la deuxième année, ce qui peut le faire adhérer à l'observance du traitement qui peut être contraignant la première année. Il faut s'aider de profils de bons répondeurs et ne pas hésiter à switcher vers un corticoïde si pas d'amélioration au troisième mois. Il faut prendre des précautions en cas de problème cardiovasculaire, surtout si c'est récent, inférieur à 6 mois. Et il faut aussi garder en tête que 20 à 40% des patients sont des répondeurs insuffisants. Et changer le traitement vers les corticoïdes. On va commencer par le dexaméthasone. L'étude MID a montré qu'il y avait de bons résultats au niveau de l'œdème maculaire diabétique avec le dexaméthasone, avec une récupération visuelle très rapide au premier mois de l'injection. Dans cette étude, les patients ils ont eu 4 injections sur 3 ans. Comme vous le savez, les effets secondaires des corticoïdes, c'est les cataractes et les hypertensions oculaires. L'implant de dexaméthasone donne de meilleurs résultats chez les patients naïfs et on peut obtenir une amélioration de 14 lignes et même un espacement de l'intervalle entre les réinjections qui peut se prolonger jusqu'à 5 mois. En vraie vie, le traitement par Ozurdex, il est très proche à notre pratique courante vu que les patients sont moins injectés, le problème de compliance ne se pose pas et on trouve même des récupérations visuelles qui dépassent les 6 lignes qui ont été retrouvées dans les études pivotales. Le switch anti-VEGF vers un implant de dexaméthasone donne de très bons résultats, comme l'a souligné cette étude qui avait analysé 3859 patients traités par traité pour œdème maculaire diabétique résistant aux anti-VEGF. Si on associe en même temps un traitement anti-VEGF à un implant de dexaméthasone, on est efficace sur le plan anatomique, mais sans réel bénéfice visuel, avec plus d'épisodes d'hypertonie. Du coup, c'est à éviter. Là, je passe à l'Ulivien. L'Ulivien, entre guillemets, le concurrent de l'Ozurdex. C'est la molécule d'acétonide de fluocinolone. C'est un produit qui a obtenu l'AMM en France, je crois qu'il y a un an ou deux. Il est de 6 000 euros. Il est un peu cher. C'est le prix de chaque dose d'Ulivien. Contrairement au Ozurdex, il s'injecte à partir d'un dispositif de 25 gauges. L'étude pivotale FAME avait montré une efficacité qui se prolonge jusqu'à 3 ans. Contrairement à l'Ozurdex, il n'y a pas de dose de charge et l'amélioration de l'acuité visuelle n'apparaît qu'à partir du quatrième mois. D'où l'intérêt d'injecter l'Ulivien 2 mois après l'Ozurdex. Comme ça, on est déjà à la phase sèche du traitement précédent. Et comme ça, le patient ne va pas attendre 4 mois pour que sa vision s'améliore.
Les effets secondaires sont communs aux corticoïdes, c'est les cataractes et l'hypertension oculaire. Et même si le produit fonctionne 3 ans, un suivi trimestriel est recommandé pour suivre la périphérie rétinienne et rechercher les complications du traitement et vérifier que le traitement marche bien. L'étude de Vrévie Iris montre la même chose que l'étude pivotale avec de bons résultats qui se prolongent à la troisième année. Et une étude récente, Medisoft, montre que pour éviter les problèmes d'hypertension oculaire, il faut très bien sélectionner le bon profil de patient. En effet, les patients qui ont été traités par des corticoïdes et qui n'ont pas eu de problème d'hypertonie n'auront pas de cas avec l'illuvien. Et les patients qui n'ont pas eu de traitement auparavant par des corticoïdes et qui n'ont pas eu de problème d'hypertonie n'auront que 10% d'hypertonie oculaire après traitement d'illuvien. De nouvelles générations sont en cours d'étude. Je citerai principalement le brolucizumab qui a fait ses preuves dans la DMLA en espaçant les injections à 3 mois. Il est en cours d'étude dans la Crystal Study. Il y a aussi la BCBA par Pegol qui théoriquement sera injectée tous les 3 mois. Il y a le Combercept et il y aura aussi de nouvelles molécules combinées qui vont agir sur tous les récepteurs A, B et C et D des anti-VEGF qui seront normalement plus puissants et plus efficaces, et aussi une combinaison à des médicaments qui joueront sur l'inflammation. La voie supracoroïdienne avec la triamcinolone est en cours d'étude aussi, et puis aussi il y a des systèmes de libération prolongée avec des micropompes. Je passe au laser. Le laser focal, le laser, il a perdu déjà sa place vu le développement des injections intraoculaires entre les corticoïdes et les anti-VEGF, mais il reste le traitement de référence des œdèmes maculaires extracentraux cliniquement significatifs. Et bien sûr, on peut combiner le laser aux anti-VEGF ou bien aux corticoïdes de façon différée. Actuellement, on a plus d'efficacité et plus de sécurité avec le Pascal et aussi avec le Navilas. Il y a d'autres lasers que je n'ai pas cités qui sont efficaces et avec moins de dégâts au niveau des tissus rétiniens. Il y a le laser micropulse qui envoie des impulsions extrêmement courtes qui permettent de réaliser des traitements par des grilles maculaires vraiment avec très peu d'effets secondaires. Et quand on voit ces patients par la suite au fond d'œil, on a du mal et on ne voit pas les impacts des lasers qui étaient réalisés. Il y a certaines études qui ont montré qu'on peut détecter que le traitement il a bien été réalisé. On peut le voir au niveau de l'angio-CT et on peut trouver quelques atteintes minimes au niveau du plexus vasculaire profond. La chirurgie, qui va être traitée tout à l'heure avec Sébastien, moi je vais rapidement passer sur cette partie-là. Bien sûr, on va la réaliser en cas de traction vitreo-maculaire ou de membrane épirétinienne. En cas d'œdème maculaire non tractionnel, le bénéfice de la vitrectomie n'est pas démontré. Il faut le réserver vraiment au cas résistant au traitement pharmacologique et au laser. On avait fait une publication là-dessus en 2015 sur Retina avec le docteur Moinin et Sébastien aussi présents avec nous, où on avait évalué la vitrectomie avec l'appelage de la membrane limitante interne chez les patients diabétiques qui avaient un œdème maculaire réfractaire au traitement médical et au laser, et on avait trouvé de bons résultats. Pour conclure, il faudra toujours évaluer l'équilibre de tous les facteurs généraux, la tension artérielle, la fonction rénale essentiellement.
faut aussi évaluer la rétinopathie diabétique périphérique pour chercher des néovaisseaux à traiter en urgence qui prime bien sûr sur l'œdème maculaire diabétique. Et le traitement à proposer, c'est au cas par cas. Il faut évaluer le contexte général du patient, sa compliance, la présence d'antécédents d'herpès qui contre-indiquerait le traitement au corticoïde. Et on proposera en première intention pour un œdème focal extrafovolaire du laser. Et chez un patient qui présente un œdème maculaire diffus, des corticoïdes s'il présente des problèmes cardiovasculaires lourds. Un patient sans problème d'antécédent cardiovasculaire significatif, s'il s'agit d'un FAC, on va prévoir dans un premier temps, dans un premier lieu, des anti-VEGF, puis après des corticoïdes si jamais ça fonctionne pas très bien. Puis, s'il s'agit d'un patient pseudo-FAC, ben, on a le choix entre anti-VEGF et corticoïdes, et on peut bien sûr s'aider de profils de bons répondeurs aux corticoïdes. Un patient non compliant au traitement, on propose d'avoir un corticoïde, et chez un patient qui présente un problème d'herpès ou un problème de rétinopathie diabétique périphérique non maîtrisée par le laser, on proposera bien sûr un anti-VEGF. Du coup, c'est du cas par cas. Selon le contexte de chaque patient, selon sa compliance, selon ses antécédents, il y aura un traitement adapté. Et bien sûr, on est en attente de nouvelles molécules prometteuses dans le traitement de cette maladie qui en fait qui est très très fréquente et très difficile à traiter. Ben, je vous remercie. Du coup, je suis à la fin de ma présentation. Merci, docteur Sindali, de ce panorama sur la prise en charge de l'œdème maculaire diabétique. Certes, c'est une pathologie qui pose encore des problèmes, et espérons dans l'avenir qu'on trouvera une thérapeutique efficace, peu onéreuse et limitée dans le temps. Nous sommes un petit peu en retard, on va laisser la discussion à la fin, certainement ça va susciter des discussions. Et sans tarder, je donnerai la parole au docteur Sébastien Ponel qui va nous parler de la rétinopathie diabétique et chirurgie que reste en 2020. À vous la parole, docteur Sébastien. Bonsoir, un grand merci pour cette invitation. Donc, le topo s'intitule « Rétinopathie diabétique et chirurgie, que reste-t-il en 2020 ?» Donc, vous avez bien compris que le dépistage ne cesse de s'améliorer et que la place de la chirurgie ne cesse de diminuer. Si vous envoyez tous vos patients pour dépistage, c'est mastéo avec l'ultra grand champ, il ne restera pas grand-chose au final à opérer. Alors, qu'est-ce que peut faire un chirurgien vitréo-rétinien? Ben, il gère la jonction vitréo-rétinienne. Et est-ce que la jonction vitréo-rétinienne est le coupable de la rétinopathie diabétique? A priori, la jonction vitréo-rétinienne est indispensable au support de la neovascularisation pré-rétinienne, mais par contre, elle est beaucoup moins impliquée dans l'œdème maculaire en dehors d'une traction. Il est évident que toute la physiopathologie maculaire ne va pas être résolue par un acte chirurgical, par une vitrectomie. Alors, ces patients, il faut toujours raisonner de la même façon, même quand vous êtes chirurgien vitréo-rétinien. Vous avez un patient diabétique qui arrive chez vous, il faut faire les bilans biologiques et cliniques. Il faut archiver tout ça et regarder tous ces documents. Il faut faire les antécédents, quel est l'équilibre glycémique, quels sont les antécédents cardiovasculaires, est-ce que le patient a des apnées du sommeil associées. Il faut chercher systématiquement les apnées du sommeil chez un patient qui déséquilibre sa rétinopathie diabétique. Et le premier traitement, ça va être l'équilibration des constantes. Alors souvent, on disait qu'il fallait équilibrer doucement si le patient avait une rétinopathie diabétique, mais à l'heure actuelle, c'est faux parce qu'on a les anti-VEGF qui permettent de contrôler la situation au point de vue rétine. Alors, il ne faut pas oublier que l'ophtalmologiste peut être un lanceur d'alerte. Si vous avez une rétinopathie diabétique qui discorde totalement avec l'équilibre glycémique, il faut se poser la question de savoir pourquoi. Donc, il faut rechercher une cause associée au point de vue général. Moi, j'ai déjà eu des infarctus silencieux qui entraînaient une aggravation de la rétinopathie diabétique de façon inexpliquée.
et clairement, on rend service au patient en se posant la question. Alors, il y a des passages critiques où vous êtes à risque de décompenser une rétinopathie diabétique, l'adolescence, la grossesse, si vous avez des équilibrations rapides du diabète, si vous avez des pathologies associées, si vous avez une chirurgie de la cataracte, en cas de problème de suivi. Et chez ces patients, il faut faire un bilan oculaire. Donc, nous avons vu ce bilan oculaire. Donc, typiquement, chez un patient diabétique, il faut faire un OCT. Maintenant, on va réaliser de plus en plus souvent l'angio-OCT au décours de cet OCT. Et si vous posez la question d'une rétinopathie diabétique périphérique, eh bien, il faut faire l'angiographie parce que souvent, vous avez des surprises. Vous avez une rétinopathie plus sévère que ce que vous voyez au fond d'œil. L'intelligence artificielle va clairement nous aider, va nous orienter pour la prise en charge de ces patients, mais le bilan est fondamental. Alors, la chirurgie va intervenir dans trois cas de figure, en cas de maculopathie diabétique, en cas de rétinopathie diabétique périphérique ou en cas de chirurgie associée, si vous faites une chirurgie de cataracte. Alors, le traitement de l'œdème maculaire, ben, clairement, la chirurgie n'a plus la cote. Elle garde une indication en cas d'œdème maculaire tractionnel et elle a été abandonnée en l'absence d'anomalie d'interface vitro-rétinienne. Les anti-VGF ont clairement la première place à l'heure actuelle. Alors, la chirurgie de l'œdème maculaire par traction, ben, ça a quasiment 30 ans. Vous avez ici des angiographies qui sont assez anciennes, avec un aspect angiographique, avec un aspect en nid d'abeille typique de l'œdème maculaire par traction. Des OCT qui datent des années 90, c'est bientôt 30 ans d'OCT. Donc, on a cet aspect en toit de pagode qu'on voit très, très bien et l'aspect angiographique qui y correspond. Un autre aspect OCT, une traction et l'aspect angiographique correspondant. Donc, clairement, la chirurgie dans l'œdème maculaire tractionnel permet une résolution de l'œdème maculaire et ça permet une amélioration de l'acuité visuelle. Alors, il ne faut pas uniquement opérer les œdèmes maculaires tractionnels, il faut se poser aussi la question d'œdèmes maculaires qui ne répondent pas très bien aux anti-VEGF. Vous aviez ici un patient qui avait un œdème maculaire qui ne répondait pas bien aux anti-VEGF, mais il avait une membrane épirétinienne associée. Et clairement, le fait d'enlever la membrane épirétinienne associée et de décoller la hyaloïde postérieure au décours de la vitrectomie a permis de stabiliser sa macula et a permis de limiter le recours aux anti-VEGF. Donc, c'est l'étude dont vous a parlé le docteur Sandali, qui avait été publiée dans Retina. Donc, malheureusement, pour les chirurgiens vitro-rétiniens, ben, l'œdème maculaire tractionnel, c'est assez rare, c'est beaucoup moins fréquent que l'œdème maculaire du diabétique diffus. Cependant, en cas d'œdème maculaire tractionnel, avant de penser aux anti-VEGF, il faut souvent penser à la chirurgie, car les anti-VEGF ne vont pas résoudre le problème de manière pérenne. Et pour ce qui est de l'œdème maculaire diffus, eh bien, on peut garder une indication chirurgicale en cas de prolifération néovasculaire périphérique associée. Et ça peut permettre clairement de contrôler plus rapidement la situation. Ou en cas d'œdème maculaire résistant, qui résiste à un bon équilibre général de la pathologie du diabétique, qui résiste aux anti-VEGF, aux corticoïdes, aux lasers. Donc, la chirurgie peut avoir un rôle, mais il faut faire cette chirurgie avant la dégénérescence maculaire pigmentaire. Et parfois, le fait d'enlever le vitré, de peler la limitante interne, permet d'avoir un patient qui répond de nouveau aux corticoïdes ou aux anti-VEGF, alors que ces médicaments avaient un effet partiel. Mais, comme nous l'avons vu, la chirurgie ne solutionne pas tous les problèmes chez ces patients. Nous allons voir maintenant la rétinopathie diabétique périphérique et la chirurgie. Alors, clairement, ce qui a été amélioré, c'est la sécurité de notre chirurgie. Nous allons plus vite, avec beaucoup plus de sécurité. Pourquoi nous allons plus vite? Parce que nous voyons mieux en péropératoire. Le système de lentilles de visualisation s'est amélioré. Nous avons des systèmes de visualisation grand champ. L'éclairage est bien meilleur. Nous avons des systèmes Xénon. Nous avons des chandeliers. Les microscopes ont été améliorés également. Nous avons des colorants pour mettre en évidence les attaches du vitré. Nous avons des colorants des membranes. Nous avons des colorants de la limitante interne. Nous avons également une meilleure instrumentation
avec du matériel jetable de meilleure qualité et surtout les vitréotomes, tout a changé. On a une diminution de la taille des vitréotomes. Lorsque j'ai commencé mon internat, on utilisait le clôtis qui avait 19 gauges. À l'heure actuelle, on est à 27 gauges, même si on n'utilise pas forcément le 27 gauges chez ces patients. Donc, depuis 2004, nous faisons des vitrectomies transconjonctivales. Nous ne faisons quasiment plus de vitrectomies où on désinsère la conjonctive. Et surtout, ces vitréotomes ont augmenté leur vitesse de coupe. Ils coupent plus vite et beaucoup mieux. On est passé de 800 coups dans les années 2000 à plus de 10 000 coups à l'heure actuelle. Donc, les suites opératoires sont devenues beaucoup plus courtes et beaucoup moins complexes, avec beaucoup moins de problèmes, beaucoup moins de décollements de rétine secondaires. Et nous avons un allié qui est phénoménal, c'est les anti-VEGF. Clairement, c'est le meilleur ami du chirurgien, car nous utilisons ces anti-VEGF en préopératoire, en péropératoire et en post-opératoire, et clairement, ça évite de perdre des yeux. Vous avez ici un système de visualisation du fond d'œil au décours de la chirurgie vitréo-rétinienne classique avec des lentilles plan coupé. Le champ de vision est très étroit. Vous avez ici un système de visualisation grand champ. On voit la rétine dans son intégralité au décours de toute la chirurgie avec un abord transconjonctival de la chirurgie. Ici, une coloration de la surface de la rétine avec un colorant bleu. Le vitré a été coloré, a été mis en évidence avec des cristaux de cortisone et on réalise même un OCT en péropératoire. Et tout ça grâce à une chirurgie transconjonctivale. Il n'y aura pas de suture à la fin de la chirurgie avec des orifices qui ne cessent de se réduire en taille. Alors, avant d'arriver à la chirurgie pour traiter la rétinopathie diabétique périphérique, il y a d'autres stades. C'est clairement des patients qui ont eu des problèmes de prise en charge parce que théoriquement, on n'arrive pas jusqu'à la chirurgie si on est bien suivi. Le traitement de la rétinopathie diabétique prépoliférante et proliférante, c'est le laser rétinien, la PPR. Les anti-VEGF, ça permet de ralentir la PPR, de contrôler le risque de GNV et de limiter le passage vers la chirurgie. Cependant, si les anti-VEGF améliorent le score de la rétinopathie diabétique périphérique, s'ils diminuent la sévérité de la rétinopathie diabétique périphérique, ils ne reperfusent pas la rétine. Donc, c'est pour ça qu'il y a encore des patients qui vont vers la chirurgie. Et donc, il reste des indications opératoires pour traiter la rétinopathie diabétique périphérique. Si vous avez un décollement de rétine mixte, sur déchirure ou décollement de rétine tractionnelle lié au diabète. En cas d'hémorragie intravitréenne sur un œil qui n'a pas eu de PPR, il faut penser à la chirurgie, il faut opérer ces patients car vous avez un risque de glaucome néovasculaire. En cas d'hématome rétro-hyaloïdien dense, en cas de prolifération néovasculaire évolutive malgré un traitement bien conduit. Et clairement, on cède à chaque fois des anti-VEGF pour limiter l'aggravation de la pathologie suite à l'acte chirurgical. Vous avez ici le cas d'une patiente jeune, 25 ans, monophtalme stricte de l'œil droit, qui a perdu l'œil gauche suite à un décollement de rétine de l'enfance. Elle développe de façon brutale un hématome rétro-hyaloïdien qui limite grandement sa vision. On l'opère, on ne fait pas de PPR péropératoire parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'ischémie au niveau de la rétine périphérique. On réalise une angiographie post-opératoire et on trouve de l'ischémie et on lui fera sa PPR dans les suites de la chirurgie. La dernière indication, c'est la chirurgie de la cataracte. Alors, lorsque vous vous posez la question d'opérer une cataracte, il faut savoir qui est responsable de la baisse de vision centrale. Est-ce qu'il y a une pathologie rétinienne qui est responsable de la baisse de vision centrale ou une pathologie du nerf optique, ou est-ce que c'est le cristallin qui se pacifie qui est responsable de la baisse de vision? Donc, votre meilleur ami dans cette histoire, ça va être l'OCT maculaire et l'OCT papillaire. Et chez le diabétique, lorsque vous vous posez la question d'une chirurgie de cataracte, il faut réaliser de façon systématique un OCT maculaire. Et maintenant, on va faire une angio-OCT également pour chercher une ischémie maculaire associée. Et si vous avez une question sur une éventuelle rétinopathie périphérique, il faut réaliser une angiographie. Alors, est-ce que la chirurgie cataracte va aggraver votre rétinopathie diabétique? Ben, ça peut. Si vous avez un œdème maculaire, ça peut augmenter l'œdème maculaire. Ça peut avoir un effet sur le développement, la récidive d'un œdème maculaire. Par contre, sur la rétinopathie périphérique, c'est beaucoup plus discuté.
il y a beaucoup d'études qui discordent. Dans certaines études, vous avez une aggravation de la rétinopathie périphérique. Dans d'autres, non, ça reste stable. Mais clairement, avec les anti-VEGF, vous avez une sécurité. Souvent, on utilise les anti-VEGF hors AMM chez ces patients qui présentent une rétinopathie périphérique pour stabiliser la rétinopathie périphérique avec la chirurgie de cataracte. Donc, si vous vous posez la question d'une rétinopathie diabétique périphérique chez un patient que vous allez opérer de cataracte, ben, il faut la quantifier avant chirurgie avec une éventuelle angiographie et la traiter par laser si c'est possible, si les milieux sont suffisamment transparents pour faire le traitement laser. Et si vous avez une rétinopathie pré-proliférante, il ne faut pas hésiter à utiliser les anti-VEGF pour éviter d'aggraver la pathologie au décours de la chirurgie de la cataracte. Et surtout, il faut prévenir le patient qu'il a un risque d'aggravation de sa rétinopathie ou il a un risque d'apparition de rétinopathie et qu'il faudra le suivre dans les 6 prochains mois. Vous avez ici le cas d'un patient chez qui on réalise une angiographie pour dépister une rétinopathie périphérique. Au niveau de son œil gauche, la visualisation est très mauvaise car il a une cataracte. Donc, au final, on essaye de faire une panphotocoagulation rétinienne, mais on n'y arrive pas. On décide d'opérer la cataracte, d'utiliser des anti-VEGF au décours de la chirurgie de la cataracte et on réalisera la panphotocoagulation rétinienne dans les suites de sa chirurgie de cataracte. Et parfois, chez des patients qui ne vont vraiment pas bien, chez qui on a peur d'avoir une perte de suivi, qui ne sont pas compliants, on traite au décours de la chirurgie de la cataracte la rétinopathie proliférante ou pré-proliférante en réalisant un geste de vitrectomie et un geste d'endolaser avec éventuellement des anti-VEGF. En conclusion, lorsqu'on traite la rétinopathie diabétique périphérique par chirurgie vitro-rétinienne, on est clairement plus en sécurité à l'heure actuelle parce qu'on est meilleur. La chirurgie vitro-rétinienne s'est améliorée ces 20 dernières années. Et elle s'est améliorée non pas parce que les chirurgiens sont meilleurs, parce que les outils sont bien meilleurs. Les modalités de visualisation ont été grandement améliorées. L'instrumentation s'est grandement améliorée. Et surtout, on réalise de la pharmacochirurgie avec les anti-VEGF. Et on est en sécurité. On a moins de pertes d'yeux. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a toujours des patients décrocheurs qui continuent à perdre la vue en sortant des protocoles de suivi. Et ça, ça pose un problème. On en a de moins en moins en France, mais il en reste. Merci. Merci, docteur Bonnel, pour la qualité de cette présentation. Et merci, docteur Sandali aussi. Donc, là, on va répondre d'abord aux questions, je pense, et après, on fera une discussion sur les sujets qu'on a abordés. Alors, dans les questions, je pense qu'il y a des questions pour le docteur Tahiri. Comment s'équiper en ophtalmo? Je pense que vous avez déjà répondu dans la présentation. Pour être centre bêta testeur. Donc actuellement, ce n'est pas encore commercialisé. Donc, on est encore en phase de test. Et normalement, la commercialisation se fera dès que les tests seront concluants quant à une intégration tout à fait fluide dans le fonctionnement et dans le travail de tous les jours. Alors, il y a une question sur le... Est-ce qu'il y a une altération du réseau capillaire profond et spécifique aux diabétiques? Bien sûr, j'avais montré une étude de l'équipe de la RIB qui avait étudié les modifications dans chaque réseau par rapport à l'œdème maculaire et le suivi post-traitement. Alors, une question pour Dr Sandali pour Othman. C'est pas dentiste. Ce n'est pas voilà. D'effet des anti-VEGF, en l'occurrence dans votre contexte, l'Avastin, sur l'œdème maculaire. Peut-on alterner par du laser focal? Oui, bien sûr. En cas d'efficacité des anti-VEGF, bien sûr, on peut proposer aussi des corticoïdes. Et on peut associer le laser focal. Bien sûr, c'est bien de l'associer en différé. Mais si d'emblée la fuite elle est extra-maculaire et loin de la macula, on peut traiter d'emblée par du laser focal. Bien.
Il y a encore des questions? Je pense qu'on a fait le tour des questions. Et on avait déjà, voilà, on avait déjà répondu aux premières, à la première partie. J'ai une petite question au docteur Sébastien Bonnel. Est-ce que vous avez une expérience en matière de traitement de l'œdème maculaire diffus qui a fait en toute sorte, qui a bénéficié d'anti-VEGF, de corticoïdes éventuellement? Est-ce que vous avez des résultats vraiment après la vitrectomie? Alors, ça a fait l'objet d'une publication. Là, mon associé, docteur Claire Monin, avait publié tous ces cas. Elle avait un bénéfice avec la vitrectomie, mais le seul problème, l'œil Adelph était amélioré également. Simplement, ces patients, elle les surveillait mieux. Et donc, ils étaient mieux pris en charge. Donc, tout s'améliorait, c'est-à-dire que l'œil traité et l'œil non traité. Voilà. Mais clairement, il n'y a pas d'études à l'heure actuelle qui montrent un bénéfice lié à la chirurgie dans l'œdème maculaire diffus. Mais par contre, si on a un patient qui est réfractaire à tout et avec un œdème maculaire qui ne répond plus à rien, moi, ça m'est arrivé récemment, en fait. J'ai eu un inspecteur de la santé qui avait un œdème maculaire qui ne répondait plus aux anti-VEGF, qui ne répondait plus aux corticoïdes retard. On lui a fait une vitrectomie, j'ai pelé la limitante. Il a continué à faire l'œdème maculaire, mais qui s'est mis à répondre aux corticoïdes retard. Donc, on lui a rendu service. On n'a pas résolu son problème de manière définitive, mais on l'a rendu service. Parce qu'il répond maintenant aux corticoïdes de retard, alors qu'il ne répondait plus aux corticoïdes de retard. Est-ce que vous avez une explication pour qu'il réponde, qu'il ne réponde pas aux corticoïdes avant, il répond aux corticoïdes après la vitrectomie? Je pense que le VEGF, lorsque vous faites une vitrectomie, que vous ouvrez la limitante interne, doit diffuser plus dans la cavité vitréenne. Et au lieu de rester collecté devant le tissu rétinien, il est lavé puisque l'œil n'a plus de vitrée. Ça doit être ça, probablement. Et justement, sur son OCT, il n'y avait pas d'œdème mixte, hein, c'est-à-dire une composante tractionnelle. Non, absolument pas. Non. Et c'était mon problème, parce que le monsieur, il connaissait assez bien les indications de la chirurgie. D'accord. Bon. Alors, c'est vrai que ici au Maroc, on a plus en garde. Malheureusement, on a beaucoup d'indications de chirurgie maculaire, mais à un stade très très avancé et très frustrant pour le chirurgien parce que il n'y a pas assez de dépistage. Il y a pas, il y a des gens, il y a un problème d'observance aussi et de moyens qui est différent de la prise en charge en France que j'avais vécu quand je pratiquais en France. Et c'est le constat de tous les chirurgiens, de tous les rétinologues au Maroc. Malheureusement, parfois, on se donne du mal. On a une récupération anatomique, mais peu de récupération fonctionnelle. Puisque le patient vraiment se présente au dernier stade, la première fois en consultation pour le prendre en charge. Ça pose problème au Maroc. Ici, en revenant au traitement de l'œdème maculaire, c'est vrai qu'en fait, on n'a pas tout le panel et le choix des médicaments comme en France. On fait beaucoup d'injections à la Avastin. Parce que c'est accessible pour les patients. On a aussi la possibilité de faire aussi du Lucentis, de switcher sur le Lucentis quand il n'y a pas de réponse, ou bien les implants de corticoïdes qui restent quand même onéreux pour le patient marocain moyen. Donc pour les corticoïdes, il y a le recours aux injections, il y a encore le recours aux injections au Kenacort aux États-Unis. Les autres moyens, les autres molécules, c'est vrai qu'ici au Maroc, on ne les a pas encore testés en dehors de Lucentis et de l'Osurdex. Je ne sais pas si professeur Boulanoir a une autre. Je suis de ton avis, malheureusement, étant donné les moyens et la couverture médicale qui est limitée, on continue à avoir des aveugles par la rétinopathie diabétique et on les opère à un stade très très avancé, auquel cas. Ils sont déçus au même titre que nous sommes déçus. Tu passes un temps à disséquer tes membranes fibrovasculaires pour se trouver en fin de compte
enfin, en post-opératoire sur une atrophie optique parce qu'elle a des vaisseaux qui sont complètement déshabités, une maculopathie qui compromet son pronostic fonctionnel. En ce qui concerne les produits, il y a aussi le docteur Larabi Laflibercet qui est disponible. Oui, oui, récemment. Oui. Des médicaments, des cas et qui répond très bien. Mais le problème chez nous, comme tu l'as très, très bien souligné, c'est le problème du coût. Donc, auquel cas, il faut revoir la politique pour avoir une couverture médicale qui est plus large et des coûts des médicaments qui seront moins chers. C'est vrai que c'est bien dommage parce que ici au Maroc, en fait, on a le centre du Maroc, les grandes villes du Maroc, on a vraiment à peu près la même qualité professionnelle qu'en France, avec les moyens modernes de diagnostic et thérapeutique aussi, avec des plateaux techniques irréprochables. Mais après, il y a l'autre côté, les zones rurales qui ne sont pas prises en charge et le côté moyen chez les patients, qui est très, très limité. Donc, il y a une dissociation entre ces deux parties. On essaie d'avoir un équilibre et d'avoir une qualité professionnelle comme on avait avant, avec les moyens du bord et avoir surtout les résultats fonctionnels et un patient satisfait après la prise en charge, que ce soit médicale ou chirurgicale. Alors, si je puis me permettre… Il ne faut pas non plus idéaliser la prise en charge en France. On a certes, j'ai un patient que je suis qui est traité par Aléa à Paris par mes soins et qui a été confiné au Maroc. Et il m'appelle désespéré en disant « Aléa, c'est trop cher, est-ce que je peux faire de l'Avastin ?» Donc ça, c'est la vraie vie. Mais en France, le problème, oui, les patients ne savent pas la chance qu'ils ont de pouvoir être traités. On peut faire de l'illuvien, c'est remboursé, c'est autorisé. On peut faire de l'ailéa. Le problème, c'est qu'il y a un problème d'accès. Et donc, on a quand même beaucoup de patients qui n'ont pas encore été dépistés, qui n'ont pas été… Donc, on a quand même un souci d'accès aussi. C'est pour ça que ce qu'a montré Rachid sur le LIA a un sens énorme, parce que le dépistage de masse va permettre de les dépister plus tôt et peut-être d'éviter ces cas dramatiques. Justement. Il y a aussi le problème de délai de rendez-vous. C'est vrai qu'à Paris, il y a des délais qui sont raisonnables. En province, les délais peuvent s'étendre à 6 mois, 1 an pour avoir un rendez-vous. Et pendant ce temps-là, la rétinopathie diabétique va proliférer. Donc, même si les patients, effectivement, ils ont une prise en charge, mais l'accès aux soins, parfois, peut être un peu difficile. D'où l'intérêt de l'intelligence artificielle, d'instaurer des centres de dépistage, comme l'avait souligné Rachid, qui permettraient de dépister au mieux les patients et qu'ils ne perdent pas de chance par la suite. Tout à fait d'accord avec toi, Othman. Il y a les délais, justement, en province qui retardent quelque part la prise en charge et qui leur... perdre tout le bénéfice de la prise en charge instaurée en France. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question concernant les sujets qu'on a évoqués? Alors, je vais céder la parole pour conclure ce webinaire au professeur Boulanoir, qui va nous parler un petit peu justement de quelques mesures de prise en charge du diabète dans le futur. Merci, Dr. Larabi. Donc, pour clore ce panel et cette rétinopathie diabétique, un mot en ce qui concerne la conclusion. Tout d'abord, le primo movens, c'est la maladie diabétique. La maladie diabétique qui cause la rétinopathie diabétique,
elle-même responsable de malvoyance et de cécité. Et tout ça à cause d'une glycémie qui est augmentée. Donc, l'intérêt d'un dépistage précoce à deux niveaux, primo au niveau du diabète, secondo au niveau de la rétinopathie diabétique. Et je commence tout d'abord par le diabète. Pour le dépistage précoce, il faut faire des glycémies systématiques à partir de 40 ans en particulier et mettre comme pièce nécessaire à l'acquisition d'une pièce d'identité telle le passeport, la carte d'identité ou le permis de conduire, une glycémie systématique. Deux, à mon sens, il faut instaurer des centres de consultation multidisciplinaire où, dans le même jour, le diabétique voit son endocrino, voit son ophtalmo, voit éventuellement son cardio, son néphro s'il le faut et son neuro, et de même qu'il fasse son bilan biologique. Ça permet de réduire le temps pour qu'il soit pris en charge et par suite une prise en charge meilleure et réduire les complications. Troisième chose, et c'est un volet qui est essentiel, c'est l'éducation du patient. Parce qu'en fin de compte, la maladie diabétique est une maladie chronique et le traitement en fin de compte revient dans la grande partie aux malades. Et malheureusement, dans notre contexte, et selon la dernière étude d'avril 2019, il s'est avéré que 3 diabétiques sur 4 dans notre pays ont un diabète qui est déséquilibré parce qu'ils ont une hémoglobine glycée qui est supérieure à 7. Quatrième chose, c'est la sensibilisation de la population pour changer leur habitude toxique, diminuer les sucreries dans les moyens audiovisuels, au milieu scolaire, inciter la population à faire une activité physique pour réduire en particulier l'obésité. En matière de rétinopathie diabétique et à l'examen ophtalmo, on dit toujours chez le non-diabétique la phrase connue par tous les ophtalmos, 10 dixièmes ou un diagnostic. Chez le diabétique, je dirais 10 dixièmes et un diagnostic. Parce que tout diabétique qui voit 10 dixièmes ne veut pas dire qu'il ne porte pas de rétinopathie diabétique. Et c'est dire l'intérêt de l'examen ophtalmologique régulier, des contrôles réguliers, avec le fond d'œil. Et là, l'intelligence artificielle aura son mot à dire parce qu'il va aider énormément à la prise en charge précoce de la rétinopathie diabétique. Et dans les pays où les moyens sont limités, sur un dernier article qui date du 26 mai 2020, la possibilité d'acquérir une photo du fond d'œil par un smartphone et une petite lentille et qui permet de l'envoyer et la traiter et par la suite prendre en charge précocement la rétinopathie diabétique pour limiter ses dégâts. Le traitement, on espère que dans l'avenir, et si ce n'est déjà fait, pouvoir traiter la rétinopathie diabétique tout au début. Et c'est l'apport du traitement neuro-régénératif qui permet de régulariser les cellules gliales rétiniennes, restaurer la membrane basale et arrêter l'apoptose des péricytes, qui sont les éléments de base au début de la rétinopathie diabétique. Et là, c'est pour un essai qui a été fait à base de traitement neuro-régénératif, l'exisanide, chez l'animal et qui a donné apparemment de très bons résultats. Et on espère par la suite que ça va intéresser l'homme pour réduire les conséquences fâcheuses de la rétinopathie diabétique, à savoir la malvoyance et la cécité. Investir. Dans notre contexte, il faut investir pour prendre en charge le diabétique. C'est surtaxer en particulier les sucres artificiels, surtaxer toutes les boissons qui contiennent le sucre et investir, sous-taxer au contraire l'ensemble du matériel qui permet la prise en charge de haut niveau de notre diabétique et permettez, en investissant, on va certainement réduire le nombre de photocoagulés, réduire le nombre d'hémodialysés,
réduire l'handicap moteur secondaire aux diabétiques. Et par suite, ça va permettre d'avoir à ces diabétiques un bien-être et par suite, faire des économies qui seront bénéfiques pour le pays. Et ça, il ne pourra être fait qu'à travers une coopération multidisciplinaire pour unifier les efforts pour arrêter ce fléau qui est la maladie diabétique et ses conséquences fâcheuses, à savoir la rétinopathie diabétique. Et je vous remercie. Merci, professeur Boulanoual, pour cette conclusion, justement, qui résume un petit peu les efforts à faire dans l'avenir par tous à tous les niveaux. Je vois qu'il y a quelques questions qu'on n'a pas abordées. Il y a une question pour le docteur Bonnel, pour Sébastien, sur la rétinopathie diabétique, sur la cataracte. Pourquoi la rétinopathie diabétique s'aggrave après la chirurgie de cataracte? La rétinopathie périphérique et l'aggravation suite à la chirurgie de la cataracte, ça, justement, c'est discuté. En fait, il y a des articles qui montrent une aggravation, d'autres qui montrent une stabilité. Donc, clairement, c'est discuté. Enfin, on peut penser que si l'équilibre est très instable au niveau du tissu rétinien, s'il y a l'ischémie avec des taux de VEGF assez élevés, le fait de rajouter un tout petit facteur inflammatoire peut déséquilibrer totalement la situation. D'accord ? Pour ce qui est de l'œdème maculaire, clairement, la chirurgie de la cataracte a tendance à majorer l'œdème maculaire chez le diabétique. Il y a une autre question pour Rachid. Est-ce que les ophtalmologistes vont partir au chômage à cause de l'IA? Alors, c'est une question à laquelle je ne peux pas vraiment répondre. Mais ce qui est certain, c'est qu'il va falloir, d'une part, travailler sur le fait que cette intelligence artificielle reste comme une aide. Après, effectivement, il y a ce risque que cette intelligence artificielle puisse être capable de poser des diagnostics sur toute l'ophtalmologie. Aujourd'hui, on voit bien que Google est en train d'investir massivement dans toute la santé et ce sont des businessmen. Donc, ils ne vont pas investir s'il n'y a pas de retour sur investissement. La seule chose qu'on peut espérer, c'est que ce soit des modules qui soient vendus aux ophtalmologistes pour qu'ils se fassent aider et pour améliorer leur conditions de travail. Mais c'est là où les sociétés savantes doivent effectivement être au courant et travailler en amont avant qu'on soit pris de court. Je suis d'accord, oui. Rachid, moi j'ai une question pour toi. C'est l'intelligence artificielle, au bout d'un moment, on a l'impression qu'il va y avoir une conscience de l'intelligence artificielle. Et là, on change clairement de domaine, quoi. Ben justement, donc, quand on va, le modèle de Moore qui prévoit qu'en 2023, c'est-à-dire dans 3 ans, en moins de 3 ans, on aura des intelligences artificielles aussi sophistiquées, aussi complexes dans leur raisonnement qu'un cerveau humain, et que dans 25 ans, nous aurons des intelligences artificielles qui vont dépasser les 10 milliards d'humains, effectivement, ça peut faire peur, parce qu'il arrivera un moment où les intelligences artificielles, ce qu'on appelle les narrow AI, c'est-à-dire les intelligences artificielles pointues, vont fusionner entre elles et qu'on se retrouve avec des intelligences artificielles générales qui sont interconnectées entre elles. Et là, effectivement, on est mal. Et je ne pense pas que l'intelligence artificielle soit un appareil qu'on va éteindre avec un simple interrupteur. Donc là, on est vraiment en train de partir dans un début de film de science-fiction. On est en train de le vivre de façon tout à fait vraie. Et je vous invite vraiment à lire le livre que j'ai présenté à la fin, « La guerre des intelligences », parce que ça représente vraiment un peu ces conflits qui sont en train de se monter entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, et qu'aujourd'hui, il va vraiment falloir revoir un peu toute l'éducation. Il y a même des métiers en fait, auxquels on ne devrait plus former nos enfants. Ça ne sert plus à rien de former nos enfants pour faire de l'expertise comptable parce que demain, il y aura des logiciels pour ça. Ça ne sert à rien de faire taxi, de faire secrétaire, de faire un accueil. Et la liste des métiers, elle est très, très longue. Alors, j'avais lu une étude que je n'ai pas citée
Alors, c'est une étude qui a été faite par l'OCDE. Dans l'horizon des 20 années à venir, 80, alors pour ne pas dire de bêtises, on est aux alentours de 80% des professions qui pourront être remplacées par une IA. Donc, cela montre à quel point donc, on pourrait être menacé. Quand on voit, par exemple, aujourd'hui, ce qui est en train de se faire, nous, on va parler, par exemple, du côté chirurgical aussi. Ben, aujourd'hui, il y a des robots chirurgicaux qui sont en train d'être développés, que ce soit en chirurgie de la rétine ou en chirurgie de la cataracte. Nous avons récemment eu, docteur Othman Sandali et moi, soumis un papier qui a été accepté sur que sera la chirurgie de la cataracte de demain. Et justement, on voit très bien les avancées qui sont en train de se faire et on pense qu'on a atteint un certain niveau de plateau, mais ce plateau est loin d'être atteint. Il y a plusieurs équipes à travers le monde qui travaillent sur de la chirurgie robotique. Donc, imaginez qu'on a d'une part de la chirurgie robotique et d'autre part une intelligence artificielle qui arrive à comprendre comment se passe une chirurgie. Ben, dans 25 ans, ben, nous, on va juste programmer l'acte chirurgical et puis on va attendre que le robot finisse son travail. Alors, ça paraît vraiment très futuriste, mais il y a beaucoup d'équipes à travers le monde qui travaillent sur ça. Ça nous fait peur, justement, cette intelligence artificielle, mais j'espère qu'elle sera dirigée dans le bon sens pour être plutôt une aide et pas un ennemi. Absolument. Aujourd'hui, c'est une vraie aide. Moi, par exemple, je trouve que une intelligence artificielle qui fait de la rétinopathie diabétique dans un cabinet médical, c'est très, très bien parce que déjà, ça permet de gagner du temps, d'orienter le travail et puis surtout d'avoir déjà un prédiagnostic. Et on peut imaginer que, par exemple, on peut envoyer une infirmière pour faire, par exemple, du diagnostic avec des images et une analyse d'image avec un rétinophoto portable et un envoi d'image via Internet. Et pour dépister des patients, par exemple, oui, dans des EHPAD ou dans des structures. Des régions rurales et tout, justement. Absolument. Absolument. Ça, c'est donc, vraiment… L'intelligence artificielle, sur le livre que j'ai lu, est décrite un peu comme un saut quantitatif, qualitatif. On est passé du feu, on a découvert le feu, ben, c'est exactement la même chose. Et donc, l'intelligence artificielle est comme le feu, elle est capable du meilleur comme du pire. C'est-à-dire que l'homme, quand il a découvert le feu, ça a permis en fait une amélioration dans sa qualité de vie. Mais on sait très bien que le feu est capable de faire des incendies. Ben, c'est exactement la même chose pour l'intelligence artificielle. Si elle n'est pas bien encadrée, s'il n'y a pas de texte de loi, s'il n'y a pas de limite, s'il n'y a pas de discussion éthique sur sa vraie place, effectivement, on risque très rapidement d'être dépassé. Effectivement, l'IA, il faut que ce soit entre de bonnes mains. Il faut que ce soit entre les mains de médecins qui ont des bonnes valeurs. Si les investisseurs, si Google investit des millions d'euros, c'est pour créer des médecins robots qui prendront la place des médecins et qui vont l'utiliser à titre commercial. Il faut que ce soit entre bonnes mains. Il faut que les médecins s'intéressent à l'IA, il ne faut pas que laisser les investisseurs. Donc, faut lire sur le sujet, s'intéresser au sujet, se former sur le sujet, et il ne faut pas rater le virage. C'est clair, il ne faut pas rater ce virage. Et c'est ce qui peut changer notre vie. Alors, là, je vois qu'il y a une dernière question pour le professeur Boulanoir. Une hémoglobine glyquée signifie-t-elle automatiquement un bon équilibre diabétique? Et bien sûr, l'équilibre correct inférieur à 7, généralement, c'est un diabétique qui est bien équilibré. Donc, l'inverse n'est pas vrai. Le fait que vous avez une glycémie qui est correcte ne veut pas dire que le diabète est équilibré. Et c'est la raison pour laquelle, au début, on ne connaît pas l'intérêt de cette hémoglobine glyquée, dans la mesure où la glycémie vous donne une idée instantanée, le moment du prélèvement du sang, la glycémie de votre patient était à temps. Par contre, la glycée, vous avez un rétrospectif de 3 mois. Bien. Écoutez, je vais
je vais passer quelques messages qui me tiennent à cœur à la fin de ce webinaire. Et je remercie tous les orateurs qui nous ont honorés par leur présence et la qualité de leur présentation et ce panel de discussion. Et j'espère à un prochain webinaire qui touchera à un autre sujet dans l'avenir. Alors, je vais partager mon écran. Voilà, hop. Voilà, j'avais quelques messages à passer aux confrères qui nous écoutent, aux décideurs dans ce pays, parce que moi j'ai pratiqué dans les deux pays, et c'est vrai, la France, et là c'est qualité, il y a une prise en charge des patients en matière de rétinopathie diabétique qui est quand même très importante, malgré parfois l'accès aux soins qui est difficile par les délais de rendez-vous, ou bien l'observance des patients. Mais à mon retour au Maroc, c'est vrai que j'ai été confrontée à d'autres problèmes qui sont les moyens dans les hôpitaux, chez un citoyen marocain. Donc, je voulais passer des messages aux décideurs, aux gens qui ont la possibilité de faire avancer les choses, parce que pendant cette pandémie, on a eu la pandémie du Covid-19, on a eu la certitude que même avec un peu de moyens, on peut réaliser des choses extraordinaires. Lorsqu'on veut, on peut. Alors, je vais revenir sur le partage d'écran qui est parti, pardon. Voilà, hop. Alors, les messages, c'est vraiment pour améliorer un petit peu la prise en charge de la rétinopathie diabétique et limiter le ravage que cette pathologie fait, notamment chez les jeunes. Moi, quand je vois un patient de 40 ans qui vient à ma consultation avec une rétinopathie diabétique proliférante d'un œil et j'examine l'autre œil, je vois un œil plus grave que le premier, c'est très frustrant et ça me met en colère. C'est pour ça que j'adresse ces messages. Justement, il faut revoir la surtaxation. Il faut appliquer, comme ça a été fait dans d'autres pays, la surtaxation des produits sucrés pour changer le mode de vie et l'hygiène de vie, rendre l'accès au sucre, notamment les boissons sucrées difficiles comme la cigarette, revoir la politique aussi de taxation du matériel médical, parce que quand on veut l'acquisition des lasers, angiographie, OCT, il y a une taxation énorme du côté de l'État. Il faut revoir ça pour faciliter un petit peu l'accès aux soins aux citoyens. Bien sûr, la communication sur le danger du diabète, le rôle des médias avec des spots publicitaires, comme c'est le cas pour la cigarette, pour d'autres sujets. L'éducation scolaire, pourquoi pas introduire l'information sur le diabète dans les écoles pour sensibiliser les adolescents. Justement, ils ont un virage. Quand ils ont un diabète type 1, ils virent vers une Floride, malheureusement, par manque d'informations. Et bien sûr, le dépistage national précoce de la maladie. Il n'y a pas de programme au Maroc pour faire ce dépistage. Il faut vraiment penser à instaurer ça, surtout avec les nouveautés de la télémédecine, avec l'intelligence artificielle. On peut quand même faire beaucoup de choses et dépister des gens, même dans des endroits ruraux, pour ne pas arriver à une consultation dans une situation catastrophique. Et bien sûr, l'implication du secteur libéral dans la lutte contre cette rétinopathie diabétique, puisque le secteur public ne peut pas répondre tout seul à cette demande accrue de patients avec des cas très difficiles et avec un manque de moyens, malheureusement. Donc, j'espère que ce message arrivera là où il faut pour changer un petit peu les pratiques et pouvoir continuer à bien traiter nos patients
et surtout ne pas être en colère et frustré lorsqu'on voit des patients qui n'ont pas accès aux soins. Et je remercie encore une fois tous les orateurs présents avec nous pour ce partage très agréable. Et on se donne rendez-vous à un autre webinar pour traiter d'autres sujets. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir tout le monde. Merci.